Jéhovah s'applique à Jésus-Christ. S'il était Jéhovah Raphaël, Jésus nous a prouvé qu'il est aussi El Rapha. Il peut guérir encore ce soir. Le croyez-vous? Ok, comme je vous le disais, donc nous allons accueillir. Ah ben, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu ici pour la première fois en dehors de la sœur Panzou,
en dehors de Maman Panzou, il y a quelqu'un d'autre ici? Non? Oui, on va les accueillir. Amen, amen. Oui, qui sont-ils? Oui? Oui, hein, levez-vous et présentez-vous, oui. Je suis la sœur Rachel, je viens de l'Assemblée des pasteurs Péniel. Ah, oui. Ah, que Dieu bénisse la sœur Rachel. Amen. Alléluia. Ah, la sœur Rachel, c'est... Ah oui, c'est la femme du frère Jules. Non, 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 la petite sœur. Ah, la petite sœur. Oui. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, il y a encore. Moi, c'est la sœur Jackie. Je viens aussi chez Pasteur Peignet. La sœur? La sœur Jackie. Ah, c'est la sœur Jackie. Oui. Amen. Ah, ben, ravi de te voir. Oui. Oui, il y a qui d'autre? Oui, que Dieu bénisse, c'est le frère Jules Kabanga. Ah voilà, c'est le frère Jules. Oui, je viens de Malachi 4, Lista Bernacle, chez le pasteur Peignel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, et moi c'est la sœur Marthe Kabanga, je viens de l'Assemblée des pasteurs Peignel, la femme de frère Jules. Ah oui, la femme de frère Jules. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Je suis très content de vous voir. En fait, c'est elles sont toutes d'une même famille. Non. Amen. C'est la grande sœur et les deux petites sœurs. Amen. Et le frère John, je crois que vous connaissez. Amen. Oui, le frère John de Malpela. Ah, donc c'est leur petit frère. Ou frère, je ne sais pas si c'est. Petit frère, voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, il y a le frère. C'est frère JC de Malachi 4 Tabernacle. Ah, le frère JC de Malachi 4 Tabernacle. Amen. Ok. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Amen. Nous sommes vos frères. Amen. Un peu fous de Jésus. Amen. Mais raisonnables en ce qui concerne les choses de cette vie. Amen. Amen. Et vous voulez, asseyez-vous. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir Madame Maman Panzou Louis de Cape Town. Elle va se lever. L'épouse du pasteur Louis Panzou. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Elle nous a reçus chez elle à Cape Town. Oh, nous avions passé des merveilleux moments. Amen. Dans la maison et dans l'église. Amen. Amen. C'était une grande bénédiction pour nous. Je leur ai dit hier soir, la nuit, j'ai dit, je me sens fier de vous avoir chez moi, chez nous. Amen. C'est un grand plaisir quand on a, surtout quand on doit accueillir les sœurs, les frères, les hommes de Dieu. Amen. La Bible dit, usez de la charité à l'égard de tous. Amen. De l'hospitalité, de la charité à l'égard de tous. Donc dans les tous, il y a des Bakwa Kalonji, il y a des Bamongo, il y a des Bapende, il y a des Basuku, il y a les voisins du quartier, il y a les membres de la famille. Donc ils sont tous, on les met dans, à l'égard de tous. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible ajoute, surtout à l'égard des... Surtout à l'égard des saints. Donc quand tu reçois un saint chez toi, dans vos communautés, je vais faire quoi? Je vais préparer quoi? Je vais faire quoi? Donc tu es un peu agité par contre un saint. À Cape Town,
éclaté. Oh, pasteur, bon, jeudi, bon, il n'y a pas la mission. Vous allez manger chez nous. Le mercredi, chez nous. Eh. Ah. Je n'ai qu'un estomac, mon Dieu. Je vais faire quoi ici à Cape Town? Pourquoi? Parce que les saints de... Elle, c'est quoi le nom de l'église? Elle Bethesda. Elle Bethesda. Bethesda. Donc, tous les saints, ils tenaient à nous recevoir. Ah, parce que leur pasteur leur a enseigné de le faire. C'est ce que nous essayons d'enseigner ici. Le pasteur Banzo a de la chance. S'il avait 2 ou 3 jours, il en aurait eu pour son compte. Parce que j'ai déjà eu le coup de fil. Mais papa, reçois une colonie. Parce que Bissot Petakinito soit Awa. Et c'est parce que j'étais à Kinshasa, on n'avait pas pu faire un programme de plus de 2-3 jours. Parce que elle m'a dit qu'il voulait passer au moins 3 jours ici. Amen. Pour nous apporter surtout la parole. Amen. Oui, maman Panzo, vous pouvez vous asseoir. Je vous ai dit dimanche que le pasteur Panzo, c'est un peu pour moi et pour la plupart d'entre nous qui sommes des Rigini, c'est un peu comme un peu le grand frère de la famille. Amen. Amen. Donc notre papa, c'est le pasteur Parouti. Amen. Alors lui, ce sont les prémices, la crème du ministère du pasteur Barotti. Il a été consacré en 1993. Quand il m'a dit la date, je me suis rappelé que j'étais là. Parce que je me rappelle d'une sorcière, Maman Kanyeba. Parce que le Seigneur avait donné un message. C'est un peu comme ce que j'avais dit ici. Je dis, tous les sorciers ici, ils vont partir. Une à une. Amen. Il y en a déjà 3 qui ont fui. Je ne les ai pas chassés. Parce que sinon, non, pasteur Abinan, j'avais dit qu'ils vont fuir. Pourquoi? Il est écrit, les méchants ne subsisteront pas. Amen. Dans l'assemblée des justes. Ils seront là, mais ils ne vont pas subsister. Amen. Parce que si je te chasse, oh non, chasse pasteur Abengalinga, tu fais tout pour que je te chasse, je ne te chasserai pas, tu vas fuir. Amen. Amen. Alors, Dieu avait donné une prophétie à l'époque. Il dit, vous êtes 16. Ah! Certains, quand les gens viennent à 10h pour écouter la parole, ils les endorment. Frère, moi, ça m'est déjà arrivé. Un jour, j'étais vraiment en forme. J'étais là derrière, au milieu, dans les saints des saints. Ceux qui connaissent Rigini à l'époque, quand c'était les nattes, et il y avait une partie où il y avait des tôles. On appelait ça le saint. Alors moi j'étais là dans les lieux saints, là, mais derrière. Oh, à 11h, je dis, mais c'est quoi? Moi j'ai bien dormi, pourquoi est-ce que j'ai sommeil? Et quand on a attrapé, ceux qui sont dit, non, Ngaï, on appelle ça Rapongi dans le secteur. Ah! On commençait à les coincer. Les vases ont dit 16. On commençait à les sortir, un à un. Et le même jour, lui a été consacré, ordonné, je crois, au ministère. Amen. Des gens qui étaient fidèles à leur pasteur. Moi, je les regardais, je les observais. Ils nous prêchaient déjà. Il a cru vers 20 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais pas. Toute sa jeunesse dans les histoires des dieux. Hein? Amen. Il était dans le même groupe de prière que le frère Jean-Pierre, qui est là. Amen. Le Pongo. C'est un groupe de prière béni. Parce que c'est dans ces groupes de prière, les gens sont vraiment costauds. Amen. Amen. Et c'est un groupe de prière où il y avait les dons, des prophéties, des messages. Je dis la vérité. Amen. Ah! Nous avons un groupe de prière, nous avons la prophétie, nous avons le message. Bon, nous avons la prophétie. Nous avons un groupe de prière avec un mystique. Jamais. Amen. C'est pourquoi nous aimons les dons, amen, les prophéties, amen, les messages prophétiques. Amen. Ah, tenez! Une prophétie a été accomplie dans ce mois de juillet. Amen.
C'est la sœur Billy, elle est là. Elle était ici sans papier, sans rien. 2 ans, 3 ans. Dieu lui a dit, je te visiterai, je te bénirai, je vais te donner des papiers. Oh. Au début de l'année, le Seigneur précise. Il dit au mois de juillet. Amen. Au mois de juillet. Amen. Frère. Je dis Seigneur. Quand j'étais à la sœur Billy, quand tu provoques sœur Billy, le problème est que le mois de juillet, nous avons parlé de déjà. Amen. Dit, Seigneur. Amen. Je sais que tu accomplis des prophéties toujours ici, mais oh, yo, et raté tes pardons. Quand Dieu donne une prophétie, moi je soutiens la prophétie. La sœur Billy rencontre une sœur. Je ne dis pas de quelle église elle est. Alors, c'était au mois de février. Il dit, sœur, dis-le, sœur Billy, ma ramène à papier. Oui, 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 moi c'est déjà fait. Nous avons passé à Salibo. Nous avons un papier dans la juillet. Il dit, oh, mais non, 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 c'est le Seigneur qui a parlé. Amen. Dans votre église, vous avez des dons. Il dit, mais bon. Sœur Billy, je dis la vérité. Amen. Si c'est la vérité, lève la main. Amen. La sœur lui dit, oh, il est à solo, dans le mois de juillet. Alors, soyez voyez, nous avons un compte dans la prophétie. Voilà. Amen. Cette sœur a eu des papiers vers le mois de juin. Amen. Et le mois de juillet arrive. Au lieu d'avoir seulement les papiers, Dieu donne et les papiers et l'argent. Tout le monde essaye de savoir mais combien sœur Billy a là. C'est un secret professionnel. Seul le pasteur doit connaître. Amen. Parce que le pasteur va faire l'arithmétique. Amen. Quand l'enveloppe est là, le pasteur sait que ça sera multiplié par 10. Amen. Par l'arithmétique, le pasteur saura ce qu'il a eu. Amen. Et toi, tu ne dois pas le savoir. Amen. Sinon, tu seras choqué. Amen. La femme d'un frère ici qui ne croit pas encore comme nous, le frère Richard Aouk. Un vase entre en onction. Ainsi dit le Seigneur, ta femme est enceinte. Cet enfant, ça sera un garçon. C'est mon serviteur. Il dit, hé hey, Seigneur, elle ne croit pas encore. Hé ratété, hé ratété. L'échographie arrive. Richard, j'ai des résultats de l'échographie. Oui, et quoi? C'est une fille. Le frère Richard dit, non, il ne peut pas être une fille. Oh, mais moi, je te dis que c'est une fille. Non, Dieu a dit un garçon. Amen. Et si c'était une fille? Non, ça ne peut pas être une fille. Amen. J'en ai déjà plein de Naomi, Nelsi, Naël. Et la prophétie n'a pas menti. Pour prendre l'avion, c'était comme ça. Mon fils et moi, on courait, on allait rater l'avion. Dieu les a retenus. Et Dieu dit, là, je veux faire des miracles et des guérisons. Ah, je dis, Seigneur, merci. C'est drôle pour des vacances. Mais je vais aller. Je suis parti. Et à Maluku. 5-6 personnes guéries. Miracle. Et quelqu'un qui était paralysé en train de courir. Amen. Quelqu'un qui avait un problème dans l'œil ici guéri. L'autre ne pouvait pas parler comme ça, il parle. Amen. Je veux un bandal à Réveil Tabernacle. C'est le pasteur Catescom. Oh. Il dit pasteur. Église Awa Bazana réveille, église Mobulwa. Donc, Djamba guérir à Saliba miracle Awa. Amen. Oh. Amen. Je pars encore à. Où c'est? Singapour. À
Sangamamba. Ah, là, c'est frère Richard qui était là avec moi. Je pars à Yolo. Là, c'était dans une église de réveil. Oh, pasteur Franck, vous montez à une église de réveil? Oui. Attends, l'église catholique, si tu m'appelles, j'entrerai. Amen. Je vais leur dire Jésus est le Christ. Amen. Les baptêmes, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je sortirai vivant. Amen. Je suis vivant, non? Amen. Je suis allé dans cette église du réveil, frère. Demandez les échos. Une dame avec le rhumatisme guérie sur les champs. Amen. Les gens étaient là en train de pleurer, roulés par terre, même ma propre nièce. Alléluia. Jésus-Christ a tenu ses bras. Si le Seigneur te dit quelque chose ici, je te conseille de croire. Je vous ai dit pour cela, c'est à cause de ça que je vous ai dit. Parce que pour moi, il a parlé et il a accompli. Ainsi que pour beaucoup parmi nous ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Le pasteur Panzo m'a fait un cool report. Ah, on a eu une communion bénie. Amen. On a parlé un langage des signes. En quel signe? De Marc 16, 17. Amen. Il m'a donné des témoignages. Je lui en ai donné certains aussi. Donc, on a eu un langage des signes. Amen. Quatre personnes sidéenne, guérie dans cette église. Amen. Amen. Par le ministère du pasteur Panzo. Amen. Dieu de résurrection des morts. Amen. Il prie sur un mouchoir. Amen. Le médecin touche le mouchoir. Il entre sous l'onction. Amen. Un médecin païen rentre sous l'onction. Il touche le bébé ressuscité. Amen. Je vous ai dit dimanche que Dieu l'utilise dans les signes, dans les miracles. Amen. Écoutez, je vous dis ça pour que Dieu le fasse aussi pour toi ce soir. Amen. Si tu le connais ou tu le connaissais avant, oublie ce que tu connais là. Oui. Prends ce que je te dis ce soir. Amen. Parce que tu peux connaître quelqu'un, mais tu ne sais pas de quoi le Seigneur est capable de faire avec lui. Amen. Ton problème a duré, peut-être la solution, si ce soir. Amen. Un frère en Espagne avait des problèmes au dos. Il y touche le dos. Une chaleur le saisit au dos. Complètement guéri. Amen. Amen. Oh! Il y en a tellement beaucoup dans son ministère. Il est là. Il est pasteur d'une grande, grande église à Cape Town. Amen. J'ai prêché dans son église là-bas. J'ai eu 3 services, je crois. Voyez-vous? Amen. Donc c'est lui qui nous apporte la parole ce soir. Amen. On a les hommes de Dieu ici. Ah, que Dieu te bénisse, révérend Dieu donné. Amen, amen, amen. Amen. Je vais lui laisser saluer un peu l'église, dire un mot. Amen. Parce que lui, il est venu, il est très loin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous sommes dans l'attente. Amen. Nous voulons manger. Amen. Nous voulons être guéris. Amen. Nous voulons être délivrés. Amen. Nous voulons que nos âmes soient désaltérées. Amen. 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 Nous allons tirer sur la parole. Notre aîné est ici. Amen. Que le Seigneur bénisse le pasteur Franck. Amen. Et merci pour ce puissant témoignage. Amen. Le témoignage sur la mer. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est un guerrier de pure race. Amen. 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 Un guerrier. Amen.
Dieu. Donnons des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Si les petits bruits que nous sommes en train de faire ça vous dérange, cela montre que tu ne seras pas au ciel. Parce qu'au ciel, il y aura des grands bruits. Pour nous, maintenant, c'est l'entraînement. Amen. Le bon nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, vous pouvez vous asseoir d'abord. Je vois déjà l'onction est là. Amen. Le pasteur a bien préparé le terrain. Amen. Le pasteur a déjà caché la chair ici. Je ne sais plus comment me mettre, je commence à danser. Gloire à Dieu. Amen. Ah, les témoignages que le pasteur a donné me concernent la vérité. Amen. Mais seulement pour la résurrection, c'était à Kinshasa. Amen. Pas à Cape Town. Amen. Même lorsque nous sommes allés dans notre dédicace là-bas, à Barreau du Tabernacle, il est venu même l'enfant, j'ai pris la photo avec. Donc, maintenant il peut avoir 20 ans. Ah, c'était ça. Il y avait un autre enfant qu'on avait amené là dans ma maison, mon épouse est témoin. J'ai fui. J'ai dit, oh, mais comment? Il dit, ils ont fui à l'hôpital, maman et maman ont amené l'enfant vers 5h du matin. J'ai dit, oh, j'ouvre la maison comme ça, squelette. J'ai dit, oh, c'est fou. J'entre dans la chambre. J'ai dit, mais chérie, mais c'est quoi ça? Il dit, mais moi, je suis allé prier, j'ai dit, frère Branham, il faut voir une vision, tout. Mais moi, je n'ai rien, mais je ne peux pas aller prier comme ça. Bon, après tout, j'ai dit, bon, comme à la guerre, allons à la guerre. Amen. Et je suis venu, j'ai prié. Au moins 40 minutes, rien. J'ai dit, bon, sœur, amène l'enfant. Amène à la morgue. La sœur est sortie, directement, elle est allée dans sa maison. On commençait maintenant à faire pour faire les mandalas, là, et pleurer. Après quelques temps, l'enfant avait. C'était terrible. Ah. L'enfant là que j'avais prié sur le mouchoir, on lui a donné mon nom complet, tout. Ton bango, quand tout le monde est chubango, tout. Et là est mon nom. Moi, c'est ce que je disais au pasteur, au-dedans de moi, je n'avais pas la conviction, moi-même. J'avais peur. Je dis, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est Dieu. Amen. Toi fais seulement ce que Dieu a dit de faire, amen. Lui-même Dieu prendra soin. Amen. Il y a, je pense, parce que c'est 3 ou 4 mois passés, j'étais avec la femme de frère Jules Kabanga dans notre église parce qu'il vient de chez moi. Alors, on avait une famille qui est venue de Congo-Brazzaville. Alors, on devait opérer et le papa et la maman. Ils avaient amené ces 3 000 $, tout était parti seulement pour des consultations, tout. Ils n'avaient plus rien. Alors maintenant, ils sont venus, bon, comme c'était un jour, j'ai appelé seulement la soeur, j'ai dit, bon, parce que moi, chez moi, tu peux être un seul vase, je t'utilise. Tu peux être 3, je vous utilise. Tu peux être 10, je vous utilise. C'est pas où je suis, moi, c'est notre travail. Amen. Je l'ai appelé, elle est là. Nous sommes entrés. On a prié avec un diacre qui m'accompagne toujours, Papi Basika. La sœur est entrée sous l'onction. Elle a parlé après là, toi, à l'âge de 16 ans. Précision. Tu as fait ça. Et le papa regarde sa femme et dit, je n'ai même dit ça, je n'ai jamais dit ça même à ma femme. Hein. Mais c'est la vérité. Comme je parle, je vois des choses là dans ma maison, je vois dans la maison. J'ai dit, bon, c'est ça le problème. On a prié pour eux. J'ai dit, même nous ne sommes pas là, lorsque vous rentrez, brûlez ces choses-là. On a prié. Une semaine après, ils vont à l'hôpital, pas de traces, rien, et des guéris complètement. Alléluia.
Parce que les miracles, c'est dans les messages. Amen. Moi, j'ai toujours dit, chaque pasteur du message a le droit de prier. Amen. Et Dieu aussi confirmera. Amen. Mais les problèmes, les gens ont peur. Amen. Si toi, tu as peur, les saints, c'est lui qui prie. Amen. On va dire, oh, ce sont des pâtes à côté saints. Ce sont des pâtes à côté saints. Hey. Oh, nous seulement la parole, la parole. Mais la justification, c'est pour l'éternel. Non? Mieux vaut que je sois pour moi un patriotisme, que je sois un littérien. La justification, c'est pour l'éternel. Vous acceptez ça. Amen. La sanctification, c'est pour Wesley. Vous acceptez ça. Amen. Mais vous savez pourquoi ils ont peur de ça? Parce que là, tu ne peux pas tromper. Amen. C'est une démonstration. Amen. Je peux te dire, je suis justifié. Ça peut être vrai ou pas. Je peux te dire, je suis sanctifié. Ça peut être vrai ou pas. Mais il y a des gens qui sont sanctifiés, qui prennent leur propre Saint-Saint à la maison. Ils ont des vins dans leur chambre. Ils prennent ses. Si ils veulent sortir, ils prennent les arrachés d'image. Ils sont là. Bien aimé. Il a pris la Saint-Saint de lui-même. Oui, donc on verra, ah ça c'est notre bien-aimé, il est sanctifié, mais il n'est pas sanctifié. Mais maintenant, les retours dans le baptême du Saint-Esprit avec les signes. Non. Là maintenant, on ne peut pas dire, oh, non, ça doit se voir. Amen. C'est pourquoi les gens fuient ça. Parce que ça c'est une démonstration. Amen. Vous savez, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est important, plus que même les miracles. Amen. Vous suivez? Amen. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, les diables dormaient pour lui. Le Saint-Esprit est descendu, les diables dormaient. Ah, il sait que ça sera dans les cœurs, on peut dire j'ai ça ou pas. Moi, je ne saurais pas. Donc, des choses où il y a des toujours, je ne sais pas, les diables vous laissent. Mais lorsque Pierre et Jean sont passés seulement dans la porte de Ben, ils ont trouvé un handicapé. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai te le donne. Mais nous ne sommes pas les pentecôtistes, pas les pentecôtistes, c'est limité là. Nous dépassons les dons. Amen. Nous allons jusqu'au donateur du don. Amen. Nous sommes en train même d'avancer. Amen. La guérison est en vous. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de prier pour vous, non. La guérison est en vous. Amen. Si même vous dites que je suis guéri, vous êtes guéri. Vous avez besoin d'avoir un enfant. Mais elle a acheté des couches. Amen. Qu'est-ce que vous attendez? Elle a acheté des couches. Elle a acheté des couches. Amen. Vous l'appelez ça layette avec les bons français. Allez acheter les layettes. Nous, à Christ, on appelle ça couche. Avant de venir ici, nous étions à l'église, mon épouse est là, toujours. Ah, vous savez, si tu trompes, tu es obligé de revenir pour demander pardon. Amen. Du haut de la chose, on ne peut pas tromper. Amen. Je préfère tromper au lieu qu'on soit en train de causer avec une Bibi. Là, je peux tromper. Amen. Mais ici, tu es plus que Shida. Amen. On nous appelle. Bah, tu vois, bon, un bien-aimé nous a envoyé sa femme. La femme n'avait même pas de papiers. Maintenant, on ne savait plus quoi faire. Ce matin, voir un frère qui est médecin. Il nous a envoyé quelque part. On a fait même papier seulement pour un mois. Quand même pour permettre à la sœur d'accoucher. Maintenant, elle arrive à l'hôpital. On nous appelle. C'est un cas très, très sérieux. Les deux m'a pas ça. Bakangamiboué. Maintenant, le médecin ne sait pas quoi faire. Il dit, si on veut opérer, ça peut toucher un enfant. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant qu'il parlait là, moi j'ai prêché. Maintenant on a appelé. Ah mais les gars qui ont fait ce mal de voir, parce que nous avons un cas sérieux. Mais non. Voilà, il me met les papiers là. Ah. J'ai prêché exactement sur la foi. Amen. J'ai dit maintenant, Père bien-aimé, je suis en train de prononcer la parole. Vous les jumeaux, et les gens étant à l'église,
commençaient à prendre une bonne position. Bah, ils avaient d'abord la mauvaise position. Et maintenant, j'ai dit, prenez une bonne position. Amen. Allez, commence. Moi, j'ai fait mon ordre. Commencez à tourner. Amen. Et aussi là-bas, l'autre a commencé à tourner. J'ai dit, commencez à tourner. Allez, au nom de Jésus-Christ, nous vous recevons, sortez. Amen. Après 5 minutes, les deux enfants, piouf, piouf. Pourquoi? On a essayé, ça a échoué, mais nous continuons, on commence à réussir. La foi grandit. C'est pourquoi Frère Branham dit, il y a 4 dimensions de la foi. Amen. Ah, les gens ne savent pas ça. Il y en a 4. Moi, je suis maintenant 3e, je vais aller au 4e pour atteindre le passé Barout. Il faut commencer. Première, mouvement, tu montes un deuxième. Amen. Troisième, quatrième. C'est Fabam qui dit ça. Amen. Il faut toujours, n'ayez pas peur. Amen. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas moi qui guéris. C'est moi qui ai un problème. Non. C'est Dieu qui guérit. Moi je prie, ça ne marche pas, gloire à Dieu. Amen. Oh, je perds si je prie et ça va marcher. Et c'est ton don. Amen. Si c'est ton don, alors commence à diriger ça. Amen. Si c'est le don du Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit conduire son don. L'unique personne, aussi, il dit, et moi, ça ne pouvait pas échouer, c'était seulement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Frère Branham, il y a des cas où il a prié, ça n'a pas marché. Amen. Vous savez les cas d'Edith White, la petite sœur d'Ati White. Amen. Vous le savez. Amen. Pendant que le Saint-Esprit était descendu, alors Frère Branham a dit, c'est Ati White. Tu sais qu'on a prié plusieurs fois pour ta sœur, elle n'a jamais marché. C'est ça l'occasion. Si tu veux que je prie pour elle, elle va marcher. C'est là que tu vas te regarder, mais elle est une sœur en Christ. Amen. Lorsque le Seigneur viendra, elle ne sera pas. Elle va bien marcher, on ne peut pas gaspiller l'onction. Hein. Il dit maintenant, oh, mais tes parents sont vieux. Tu veux qu'ils puissent redevenir jeunes. Regarde que la foi d'Abraham était déjà là, non? Et le frère, tu vois, tu dis pas question, pas eux. Il dit, mais quoi? Tu veux de l'argent? Ça sortira maintenant. Il dit, surtout pas ça. Si c'était toi, tu devais demander l'argent. Tu laisses tes enfants là en enfer. Mais tu vois, tu as dit, je vais les saluer demain. Tes enfants recevaient. Amen. Ils furent baptisés du Saint-Esprit à l'instant même. Amen. Aujourd'hui, j'ai vraiment une prédication, je vais prêcher. Amen. Si vous suivez ça très bien, peu importe le problème, amen, vous avez la solution. Amen. Bon, seulement il n'y a pas les tableaux au format, il n'y a pas un problème. Moi, je me suis habitué avec les tableaux. Je suis en train de voir l'heure. Bon, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité. Amen. Et je remercie aussi son serviteur, amen, le pasteur Franck Mwanda, pour m'avoir cédé sa chair. C'est pourquoi le prophète dit, si un pasteur te laisse sa chair, il ne faut jamais blesser ses brebis. Amen. Nous, on ne prêche pas comme des fous. Nous devons prêcher avec le discernement de l'esprit. Amen. Ah. Aujourd'hui, je vais parler sur l'importance du message du temps de la fin. J'ai remarqué, nous aimons le message. Nous parlons du message, mais parfois nous ne comprenons pas qu'est-ce que le message. C'est pourquoi on a des problèmes, on a des divisions, on a des processus là, des choses ne marchent pas, des critiques, parce qu'on n'a pas compris. Nous devons comprendre qu'est-ce que le message. Alors, vraiment, avec des signes, ça va toujours marcher. Parce que je vais avoir un tableau comme le tableau n'est pas là. Nous allons nous mettre debout pour lire d'abord la parole de Dieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Que le roi Frère Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Amen.
Je sais qu'on était des petits enfants. Comme le pasteur a dit à 23 ans, non, là, c'est déjà passé. Moi, j'étais au groupe de prière 19 ans, message 20 ans. Mon épouse avait 15 ans, message 16 ans. Je l'ai amené comme ça une petite fille, vraiment. Je crois que je l'achète aussi des fleurs. Depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, nous tenons bon. Je n'ai jamais venu derrière lui pour dire, oh, sans mon conduit, pardonnez-moi. Tu sais que j'étais là, fidèle, fidèle. Grâce à Dieu. Que Jésus en soit béni. Maintenant, comme il y a maintenant le développement de la technologie, on ne veut pas qu'on puisse prendre une photo, on met une femme à côté de moi, oh, voilà votre passé. Donc, je voyage maintenant avec elle. Amen. Maintenant, tu mets une femme, ça viendra où? Ne partez pas, mon sujet reste. Il faut avoir de la sagesse. Hein? Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Amen. Ils vont faire des mixages là. Amen. Pendant que tu vois, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est déjà parti. Là, on va dire, ah, comment il peut aimer une femme, sa femme est à côté là. Non, ça aussi, ce n'est pas juste. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore tous. Amen. Et j'ai pensé des bons moments, on avait pensé, passer là-bas de l'autre côté à Cape Town, lorsque le pasteur Mwanda, sa chère épouse, sont venus avec le frère Mukebe, sa femme, et le frère Peter. Amen. Moi, j'ai pensé que lorsque je viendrai ici, je verrai déjà les trucs ici que moi j'ai ici, mais je n'ai pas trouvé ça dans son doigt. Il faut vraiment... Hein? C'est pour bientôt. Ah, bientôt, que tout se passe bien. Amen. Amen. Il est bon pour des jeunes de se marier. Amen. Alors, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne le résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, verset 17, retenez verset 17. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai le plaisir hein, d'y habiter. Que le Seigneur ajoute de bien soit l'autre de sa parole. Amen. Père bien-aimé, Dieu du ciel, nous te remercions. Merci. Descends au milieu de nous. Amen. Oh, nous sommes déjà dans la joie, Seigneur. Amen. Car nous sentons déjà ta présence. Amen. Est en train d'environner cette place. Amen. C'est pourquoi, Père, descends encore davantage. Amen. Pour le compte à rebours. Amen. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans toi, notre vie n'a pas de sens, oh Dieu. Amen. Viens pour parler, Seigneur. Amen. Nous pouvons lire parce que nous étions à l'école. Amen. Mais pour amener que cette parole soit démontrée, Amen. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu qui nous descende, qui nous soutienne et qui nous bénisse. Amen. Afin que tout se passe dans la paix. Lorsque nous sortirons d'ici, Seigneur, que nous sommes dans la joie, Amen. Disant comme les deux disciples hein, sur le chemin de Maïs, Amen. Que nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous, Amen. Pendant qu'ils nous parlent en chemin, parle-nous pendant ces 5 ans. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Descends, manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends toute la salle, oh Dieu, sous ton Amen. Contrôle. Agis comme tu l'attends, oui, Père. Fais ce qui te semble bon, Père. Amen. Tu es libre. Amen. Tu as l'autorité suprême. Amen. Nous sommes tes sujets. Nous n'avons rien, nous comptons sur toi et sur ta grâce. Bénis-nous, bénis l'écriture. Dans 15 séances. Bon, ici je vais prêcher ça dans une seule séance. Amen. Donc condensé. Mais à quel temps je fais ça? 15 séances. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu connaissent Amen. Pourquoi nous avons reçu ce message. Amen. Tu verras des gens qui disent, papa, si tu crois pas ce message, tu ne seras pas sauvé. C'est bien, mais ce n'est pas correct. Amen. Le message il n'est pas venu pour nous sauver. Amen. Jésus nous avait déjà sauvés. Amen. Il nous a sauvés dès avant la fondation du monde. Amen. L'agneau était immolé. Amen. Dès avant la fondation du monde. Amen. C'est là où Jésus nous avait déjà sauvés. Amen. Mais ce message est venu seulement nous ramener à notre Amen. Position. Amen. Si quelqu'un ne croit pas
dans ce message, hein, c'est que l'agneau l'a pas mis dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Mais celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Quand frère Madame dit les vierges folles sont sauvées. Les vierges folles sont sauvées. Amen. Mais elles ne seront pas enlevées. Exact. Parce que le salut est en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi frère Madame dit, même si quelqu'un est catholique, il croit que c'est Jésus seul qui l'a sauvé. Cet homme-là est sauvé. Amen. Mais s'il place Jésus avec Marie, il est perdu. Amen. Parce que le salut, c'est seulement une seule personne. Amen. Mais si vous placez Jésus avec Brenda, vous êtes perdu. Parce que le salut, c'est une seule personne. Amen. C'est Jésus seul. Amen. Qui est monté à la croix. Amen. Lui seul. Amen. Amen. Pas deux. Exact. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous aussi, vous voyez ici, Jean-Baptiste était un grand prophète. Et il est venu sur la terre pour une grande mission qu'il a accomplie seulement juste pendant 6 mois. Attends, j'enlève ici. Jean-Baptiste était en train de baptiser des gens. Mais on lui avait déjà parlé ce qui va se passer là-bas dans l'eau. Un jour, quelqu'un viendra, vous connaissez l'histoire, c'est écrit noir et blanc. Mais moi, je vais ramener vite avec notre message. Parce que pour notre message, nous devons savoir où est-ce que notre message a commencé. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas le commencement, vous venez seulement entrer au milieu, c'est pour les gens entrent dans des fausses doctrines. Amen. Parce qu'il ne connaît même pas le commencement. Amen. Il vient, il entre, il commence à dire des choses. Lui, il ne connaît pas comment ça a commencé. Amen. Pour parler d'une histoire, vous devez les commencements. Amen. Si vous connaissez comment l'histoire a commencé, toi aussi tu peux démarrer avec l'histoire, Amen. Tu peux aussi entrer là-dedans, mais vous trouvez des personnes en train de parler, vous entendez, comment ça vient. Je crois que la chose est juste, papa. Ils vont te regarder où? La chose quoi est juste? Oh, c'est ce que vous êtes en train de dire là. Nous, on a commencé à parler il y a 10 heures. Toi, tu viens maintenant, tu dis juste quoi? On peut te dire, non, on est en train de dire concernant cette chose, ah, tu es maintenant avec nous, on peut continuer. Amen. Bon, nous, notre message du temps de la fin a commencé dans l'eau. Comme le message de Jean-Baptiste avait commencé dans l'eau. Amen. Amen. William Branham aussi a le même esprit que Jean-Baptiste. Amen. Comme Jean-Baptiste a commencé dans l'eau, notre message aussi a commencé dans l'eau. Amen. Jean-Baptiste c'était au Jourdain, nous c'était au l'eau. Amen. Bon, on commence déjà. Bien que le tableau n'est pas là, je suis en train de souffrir, mais vous allez m'aider. Alors, maintenant, remarquez une chose. Frère Madame était baptiste, tout le monde le connaît. Amen. Comment il a quitté, on l'a chassé. Ben, il a refusé de consacrer une femme au ministère. On l'a mis de côté. Alors, Frère Madame est parti. Il a fait une campagne de quelques mois. Après, il est allé pour baptiser les gens. Alors, j'aime le tableau parce que les dates sont là, il fallait qu'il s'en soit. Bon, c'était le 11 juin 1900. 33, Amen. Un samedi, après-midi, à 14h, ok? Amen. Il avait baptisé 500 personnes. Je me vois très bien. Pendant que Frère Branham était en train de baptiser ce jour-là, c'était ça le premier baptême de Frère Branham. Amen. Que lui-même appelle le premier réveil de son ministère. Amen. Et voilà comment que le réveil là, c'est ce qui a même bougé Oral Robert. Amen. Ça a bougé Billy Graham. Amen. Ça a bougé tout le monde. Amen. Frère Branham, c'est le réveil là qui a mené des campagnes de guérison. Amen. Qui a mené des miracles. Amen. C'est le même réveil là qui continue. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être dans ce message, non pas avec les manifestations de ce réveil là. Vous n'avez pas compris le message. Amen. Vous êtes venus au milieu. Amen. Il faut rentrer au commencement. Amen. Comment le message était. Quand on a parlé du message, on commencera à lire ça lentement ici. Alors, Frère Branham était là. Il baptisait les gens. Maintenant, il est arrivé. Il devait baptiser la 17e personne. C'est pourquoi j'avais dit, vous avez lu Matthieu 3, verset 17. J'insiste, 17. Pendant qu'il baptisait la 17e personne, qui connaît la personne? Vous connaissez son nom? Oh, vous ne connaissez pas?
Non. Mais l'unique personne qui fait m'a donné le nom. Là, je vais vous lire ça. Je vais vous lire le nom de cet homme-là. Hein? Dans les prédications, un procès. Un procès, c'est ça. Il a prêché le 12 avril 1964, dimanche, le 12 avril. Il commence à dire, paragraphe 146, écoutez, frère Branham, il lui dit, je me souviens de ce qui s'est passé là-bas, quand j'étais un jeune garçon. Vous avez lu l'histoire de ma vie, vous connaissez l'histoire. Je me souviens sur le fleuve là-bas, lorsque j'étais un petit jeune prédicateur baptiste et que j'ai baptisé là, environ 10 000 personnes se tenaient sur la rive. Quand un après-midi, mon premier grand réveil. Amen. C'est bon, vous devez comprendre. Amen. Et l'unique réveil, la foi, on n'a jamais changé. C'est l'unique réveil qui continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. On y arrivera. Il dit, c'est mon premier grand réveil. Environ 1000 convertis. Je l'ai baptisé là-bas dans l'eau. J'étais en train de conduire la 17e personne dans l'eau. Hein? Amen. La 17e personne. Matthieu chapitre 3, verset 17. C'est là où la voix est retentie. Écoutez. J'ai baptisé la 17e personne dans l'eau. J'entendis un bruit. J'ai regardé autour de moi. Il faisait chaud. C'était en juin 1933. Au bas de la rive Spring, à Charlesville dans l'Indiana. Je le conduisais là. Les rives, en amont et en aval, étaient complètement pleines de gens. Je me souviens avancer avec ce petit garçon. Un petit garçon. Donc de tout ce qui avait pris le baptême ce jour-là, c'est lui qui était le petit garçon. Mais il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Les petits garçons. Ce n'est pas où j'attends que je puisse avoir 30 ans. Même si vous avez 10 ans, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Frère Branham me dit, un enfant de 6 ans, 7 ans, il peut être baptisé du Saint-Esprit. Par le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas seulement les parents et leurs enfants. Ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Donc vous aussi, même si vous êtes enfant, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alors il continue, il dit, je me suis avancé avec ce petit garçon. Je l'avais vu à l'hôtel. J'ai dit, mon fils, as-tu accepté Jésus comme ton sauveur personnel? Il a répondu oui. Il s'appelait Edward Colvin. Amen. Amen. Oui, vous écoutez son nom? Amen. Edward Colvin. Fais-moi dire ça, c'est moi ici. Il a signé le nom, il fasse le bas dans le message. Parce que moi, j'ai étudié ça, j'ai trouvé ça. Edward Colvin. Maintenant, ici, vous n'avez pas les tableaux. Vous allez me faire souffrir. Bon, Edward Colvin, suivez. Si vous ne comprenez pas, les pasteurs comprennent, les hommes de Dieu comprennent, ils vont vous aider. Edward Colvin a 6 lettres, 6 lettres. Edward, 6 lettres. Colvin, 66 livres de la Bible. Hein? Parce que nous sommes en train de parler quelque chose, hein, qui s'est passé dans la Bible. On doit comparer ça avec Jean. C'est que, au lieu là, c'est la même chose. Vous voyez bien, Edward Colvin, 6 lettres, 6 lettres. Edward Silette, Colvin Silette, 666, 66, 66 livres de la Bible. Amen. Amen. Ok. Amen. Allez, vous faites continuer. Alors, frère madame dit, avant d'entrer dans ce qui s'est passé, si je vais vous expliquer ça. Frère madame dit ceci. Lui-même avait 24 ans. C'est vrai, non? C'est vrai. Parce que frère madame dit, il est combien? Ah oui, mais prophète, vous avez une été. Hein? Les 6 quoi? 1900 combien? 9 et 6. Et 6 c'était maman? 9. Et 9. Hein. Merci. Et 6 c'était Ajibad. Donc le prophète est né le 6 avril 1909. Et 6 c'était le 11 juin. Ça veut dire qu'il avait déjà 24 ans. Ok? Amen. Vous savez le chiffre 24? Vous connaissez ça? Oui. Les 24 anciens, c'est adoration. Alors, nous sommes en train de parler de Jean-Baptiste et de Jean-Baptiste d'aujourd'hui. Les deux Jean-Baptiste. Ils ont les deux commencé dans l'eau. Mais écoutez maintenant. Jésus aussi, pour la première fois, on a montré Jésus prêcher. Jésus avait 12 ans. Pour la première fois, on a parlé de Jésus. En train de parler. Pas où on l'a circoncis. Non, Simon a prié pour lui. Non. Lui parler à l'âge de 12 ans. 12 et 24, c'est la même chose. C'est l'adoration.
les 12 apôtres, les 12 patriarches, 24 adorations. Jésus, à l'âge de 12 ans, il est allé adorer. Frère, madame, aussi, voilà, à l'âge de 24 ans, l'adoration commence. Ok, remarquez une chose. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans. Si j'écrivais ça dans les tableaux, vous devez bien écrire vraiment. Vous prenez Apocalypse, chapitre 13, hein? Le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ici de la sagesse. Celui qui a dit l'intérêt qui a dit le nombre de là. Hein? Le nombre est combien? Hein? 666. Oh, 666 égale 13, selon la mathématique. Vous savez, parce qu'on a répété les mêmes chiffres là, trois fois. Si c'est qu'on met trois fois, on met un. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Amen. Un, donc 6, c'est toujours la même, les mêmes chiffres. On a répété combien de fois? Trois fois. Donc 13 et 66, c'est la même chose. Amen. Tout cela, c'est la famille de Marc et de la bête. Amen. Après, chapitre 13, la bête qui monte là. La bête. 666, la bête. Donc la même chose. Amen. Comme Jésus avait commencé le message à l'âge de 12 ans. Prenez après chapitre 12. Vous allez trouver 66 là-bas. Vous savez là où il y a 66? Dans après chapitre 12, il y a 66. La Bible dit, les serpents poursuivit la femme. Et les désirs de l'aigle furent donnés à la femme. Et le prophète dit, les désirs là, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la Bible. La Bible a 66 livres. C'est pourquoi 12 égale 66. Parce que 12, 6 fois, c'est une fois. Répétez combien de fois? Deux fois, c'est 12. Donc, chapitre de 12, vous verrez, 66, c'est là. La mère aigle avec les désirs. C'est ça la Bible. Nous sommes en train d'aller lentement, lentement. Maintenant, on rentre là. Frère, on avait 24 ans. Chiffre d'adoration. Maintenant, pendant qu'il baptisait la 17e personne, quelque chose arriva. J'aimerais lire la chose directement, hein, pour gagner le temps. Parce que je vais tout expliquer, je n'arriverai pas à la fin. Écoutez, je lis directement, frère Branham. Il dit ceci. Il s'appelait Edward Colvin. J'ai dit, Edward, sais-tu ce que je fais maintenant? Il a dit, oui, frère Branham. J'ai dit, je te baptise pour montrer à cette assemblée ici que tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel. Amen. Comme je te baptise au nom de Jésus-Christ, hein, tu porteras son nom. Amen. Lève-toi pour mener une nouvelle vie. Quand tu partiras d'ici, tu dois marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est pourquoi nous, pasteurs, ne soyons pas pressés pour baptiser les gens. Amen. Si quelqu'un veut te baptiser, enseignez-le. Amen. Restez avec la personne. Amen. Jusqu'à ce que sa vie sera nettoyée. Amen. Après on va la mener dans l'eau. Amen. Ne faites pas comme l'église catholique, hein. Un enfant vous pressez, vous baptisez. Après 5 ans il va rentrer dans le monde. Voilà. Parce qu'il y aura des démons qui sont restés sur lui. Amen. Lorsque le combat fera rage, hein, les démons là vont le pousser encore de rentrer dans le monde. Amen. Il y a des gens qui viennent avec des femmes de nuit, mari de nuit, hypocrisie, beaucoup de choses. On doit entrer dans la profondeur de sa vie. Amen. C'est ça que Frère Branham nous a enseigné. Amen. Il dit, il n'était pas pressé pour baptiser les gens. Amen. Il faut lui donner le malongue. Amen. Aller lentement avec lui. Amen. Qu'il puisse comprendre. Amen. Entrer dans sa vie. Amen. Aller en profondeur. Amen. Parfois, il a des choses qu'il a volées dans la famille, qu'il n'a jamais réparées. Exact. Parfois, il a des femmes qui avaient fait avorter. Amen. Vous ne laissez pas comme ça. Non, il a beaucoup de litiges, cet homme-là. Vous devez le prendre. Amen. Nettoyer complètement. Amen. Laver complètement. Amen. Enseigner complètement. Amen. Lorsque tout sera en ordre, alors vous l'amenez dans l'eau. Amen. Lorsqu'il sortira de là, vous priez qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ah, c'est ça. Maintenant, écoutez, le prophète continue. Il continue, il dit, écoutez, frère, madame, il dit, c'est pourquoi, frère Colvin, mon frère, je te baptise au nom. Donc, je lis des paragraphes 46 jusqu'à 160, mais c'est ça l'histoire. Il dit, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Écoutez maintenant là où je commence. Comme je l'ai plongé dans l'eau, je me suis relevé. J'ai entendu quelque chose faire. Ouch! Je vais vous montrer que le baptême de Frère Branham, c'est exactement le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Ce n'est pas un baptême, Frère Branham est
allait baptiser les gens, il a quitté ce bas comme ça. Non, quelque chose arriva. Amen. Dieu est descendu du ciel. Amen. Comme Dieu est descendu du temps de Jean-Baptiste. Amen. Le même Dieu est descendu du temps de William Branham. Le même Dieu, la même chose, la même puissance, la même parole, la même autorité. Le Dieu a été descendu. Amen. Ce n'était pas un baptême seulement comme ça. C'était un baptême surnaturel. C'était Dieu qui accomplissait sa parole. Je vais vous montrer ça. Amen. Dieu va me continuer. Il dit, lorsque vous voulez baptiser la personne, il a entendu rouge. Et j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Amen. Pour la première fois. Frère Manama, il pleure. Il était encore un jeune garçon. Il a eu peur. Frère, écoutez. Je pensais, qu'est-ce? La maman de Bible qui est présente. Deux ou trois ans avant notre mariage, cette année-là, j'ai vu son visage tout pâle. Elle avait un appareil photo à la main. J'ai entendu une seconde fois. Lève les yeux. Amen. Quatrième fois. Deuxième fois. Lève les yeux. J'étais effrayé. Amen. Fais maman une peur. J'ai regardé autour de moi. Les gens s'étaient là en train de regarder, hébétés. J'ai encore entendu cette voix pour la troisième fois. Amen. Lève les yeux. Amen. Quand j'ai regardé, voici venir cette colonne de feu. Amen. Ça n'est pas ici. Hein? Amen. Ça va. Voici venir cette colonne de feu. Qui avait conduit Israël. Alléluia. À travers le désert. Wow. Des milliers de dieux la regardaient descendre directement au-dessus de l'endroit où je me tenais. Frère, ce n'était pas quelque chose d'hasard. Frère, vraiment commencé son ministère avec les surnaturels. Et ça va terminer avec les surnaturels. Parce qu'il est Alpha, il est l'Oméga. La Rode de Fête dit, comme Jean-Baptiste fit envoyer comme précurseur de la première venue de Christ, toi et ton message, vous couvrirez la terre, et ton message sera le persécuteur de la seconde venue de Christ. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pendant que le prophète baptisait la 17e personne, la Rode de Fête fait quoi? Elle est servie. Écoutez-moi. En train de pécher, mais c'est quel est-il? Il est en train de citer des mystères. Alléluia. Vous savez, la colonne de feu, c'était la 17e, le 17e mystère. Alléluia. Mais nous, la colonne de feu, c'était le 17e mystère. Alléluia. Pendant qu'il citait des mystères, je vais vous aider à ça. Amen. Attends, allons vite. Amen. Demain à futur. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est quel est-il? Attendez. Soir. Et le 11e mystère, c'est le mystère de Babylone. La prostituée d'Apocalypse 17, 5 et 7. Ok? Maintenant, frère, on continue, paragraphe 118. Il dit, ce sont certains des mystères que ces tâches sont censées conclure. Tous les mystères de Dieu. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect, sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. Il faut chercher aussi pour jeter les images, si c'est vraiment correct. C'est mieux toujours. La science est développée, vous êtes en Europe, il faut faire ça. Amen. Ah. Amen. Mais maintenant on peut acheter ça. Vous mettez, vous lancez, on met des citations ici, on lit. Amen. Écoutez, frère Marie, il commence, je vais parler avec vous. Il dit, la semence du serpent qui fit un mystère caché durant toutes ces années. La semence du serpent, ça sera donc 12e mystère. Ok. La grâce redressée, non pas la disgrâce, la réelle et véritable. 13. L'enfer qui ne brûle pas éternellement. 14. Merci beaucoup. 14, hein? Les mystères du baptême du Saint-Esprit sans cessation. Yes. Merci beaucoup. Les mystères du baptême d'eau, que le trinitarisme extrêmement changé, fils fait donc. Les mystères du baptême d'eau, combien? 16. Les retours de la colonne de feu? 17. Amen. Amen. Les retours de la colonne de feu. Pendant qu'on suit le mystère, c'est le 17e mystère. Amen. Voilà maintenant là-bas, pendant qu'on baptise la 17e personne, la colonne de feu fait son retour. Amen. Parce que c'est le 17e mystère. Amen.
colonne de feu, lorsque feu revient en train d'énumérer, c'est le 17e mystère. Voilà pourquoi pendant qu'on baptisait pas la 19e personne, pas la 20e, mais pendant qu'on baptisait la 17e personne, la colonne de feu est descendue. Parce qu'ici, dans mes secrets, le retour de la colonne de feu, c'est le 17e mystère. Est-ce que vous avez compris? Amen. J'avance toujours. Joseph était le 11e de la famille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que là, c'était le 11 juin. N'enlevez pas encore d'abord ça. C'était le 11 juin. Joseph, il est le 11e de la famille. Mais Joseph, il avait la robe à cette couleur. On lui a enlevé la robe là lorsqu'il avait 17 ans. Lorsque ses frères l'ont vendu, Joseph avait 17 ans. Ils ont enlevé la robe. Parce qu'un jour, la robe va revenir. Il faut qu'il y ait un retour. Lorsqu'il avait 17 ans, on lui a enlevé la robe qui représente la colonne de feu. Cette couleur. Joseph est le 11e de la famille. À l'âge de 17 ans, on l'a vendu. Nous sommes les ouvriers de la 11e ère. Amen. D'après la prophétie. Amen. Les ouvriers loués à différentes heures. Nous sommes 11e ère. 11e ère, c'est 17 heures. Bon, 0 heure, c'est 6 heures du matin. Première heure, 7 heures du matin. Deuxième, 8 heures. Troisième, 9 heures. Quatrième, 10 heures. Cinquième, 11 heures. Sixième, 12 heures. C'est pas la Bible qui dit, Jésus, pendant la sixième heure, jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres pendant que Jésus était à la croix. Donc, de 12 heures à 15 heures. Neuvième heure, c'est 15 heures. Dixième heure, c'est 16 heures. Onzième heure, c'est 17 heures. C'est pourquoi nous sommes au temps du soir. Car nous sommes les ouvriers de la 11e heure qui est 17 heures. Les ouvriers du temps hein, du soir. Amen. Donc 11 et 17, ça marche ensemble. C'est pourquoi, Frère Bamdi, la Première Guerre mondiale s'est arrêtée les 11. 11 mois, à 11 heures, 11 minutes, 11 secondes. Pourquoi? Parce que les ouvriers de la 11e heure devaient entrer dans les services. C'est pourquoi Dieu a arrêté pour que nous puissions entrer. C'est nous qui sommes les ouvriers de la 11e heure. Dernier message. Alors, ça maintenant, c'est seulement un constat. N'allez pas dire Frère Bama dit ça, ça c'est moi qui dis. Mais c'est une chose qui est vraie aussi. Frère Bama avait 24 ans. Pendant qu'il baptisait la 17e personne. Moi, j'ai vu que l'homme là avait 6 lettres. 6 lettres, c'est la Bible. Lorsque je suis rentré dans la Bible, j'ai vu seulement, il y a 24 chapitres de la Bible qui dépassent 17 chapitres. 24. J'ai trouvé ça dans la Bible. Ça, c'est biblique, hein? Amen. Donc, dans la Bible, si vous prenez la Bible, il y a 66 livres. Il y a seulement 24 livres hein, qui dépassent 17e chapitre. 24 seulement. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Ok. Après vous sautez, Job, Psaume, Proverbe. Vous sautez l'autre là. Ésaïe. C'était là. Vous prenez encore Jérémie. Ézéchiel. Allez, vous sautez. Piou. Matthieu. Pas Marc. Marc 16. Matthieu. Luc. Jean. Acte, Apocalypse, si vous comptez 24 livres. Et vous allez voir dans chaque chapitre, là, 17, il y a quelque chose de surnaturel avec la colonne de feu. Amen. Romains 17, 30. Amen. Matthieu 17. Amen. Jean 17. Amen. Allez vérifier. Amen. Apocalypse 17. Allez vérifier. Amen. Genèse 17. Vous verrez, El Shaddai lui-même se présente là. Amen. Dans Exode 17, la colonne de feu est descendue. Amen. Pendant que Moïse levait les mains. Amen. Et donc voilà. Ça, c'est dans la Bible. Amen. En fait, on n'a pas dit ça. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Il ne faut pas dire, oh, frère, madame m'a dit, ah, ah. Mais si tu veux vérifier la Bible là, ça ne sort pas de la Bible. Amen. Mais je vais continuer. Ma pensée, c'est que, frère Branham, il montre que ce jour-là, lorsque la colonne de feu est descendue,
La grande fée n'est pas venue en vain. En descendant, la grande fée a donné un message. Amen. Alors, pour nous, les prédicateurs, si vous voulez suivre ça depuis 1933, vous verrez que Frère n'a jamais changé ça. Jusqu'à 65. Il parle des mêmes que Jean-Baptiste fut envoyé. C'est bon, moi, je ne peux pas tout lire, mais je vais lire seulement quelques flashs avant de continuer. Amen. Maintenant, ce que Dieu avait dit là, ça signifie quoi? Alors, cherchons comment Frère Branham a interprété cela. Comme Jean-Baptiste fut envoyé, comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde. Ça signifie quoi, Frère Branham? Je vais vous montrer ce que ça signifie. Frère Branham lui-même, nous sommes dans la prédication, toujours, mais quelle heure est-il prêché le 30 décembre 1962, soir. Paragraphe 196 et 196 pour nous les Belges, pour le français 196. Écoutez maintenant. Donc écrivez pour vérifier, comme si vous n'avez pas quelque chose pour lancer, il faut écrire. Fais-moi dire ceci. Ces étoiles qui forment leur constellation là-bas, cet ange qui vient et dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé, c'était où? Nous sommes en 1962. Mais là-bas, c'était en 1933. Et vous suivez? 1933. Pendant qu'il bâtit la 17e personne. Si vous prenez 1933, plus 17, ça fait combien? 33 plus 17. 50, hein? C'est la bonne défaite sortie sur la tête des frères Branham. Après 17 ans, là. J'ai dit la vérité? Oui. En 1933? Amen. D'accord, de faire descendre. Amen. C'était pour la première fois. Amen. Mais pour que ça soit confirmé, qu'on puisse avoir l'image d'accord, de faire, c'était en 1950. Amen. Donc, d'accord, de faire, s'est placé sur la tête des frères Branham. Amen. De 1933 à 1950, 17 ans. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ça, ce sont seulement des constats. Amen. Mais qui sont aussi justes. Amen. C'est cet ange qui forme les constellations là-bas. Cet ange qui vient et dit, comme j'en suis envoyé. Maintenant, c'est l'unique interprétation que Frère Branham a donnée de cette prophétie-là. Comme j'en fus envoyé pour terminer l'Ancien Testament. Alléluia. J'en fus envoyé pour terminer l'Ancien Testament. Alors, il faut que je rentre dans la Bible aussi. Parfois, il y a un nouveau ici qui ne voit pas gros. Il lisait seulement cet homme-là. Il n'a pas lu la Bible. Je vais lire la Bible. Amen. C'est réservé de ces gens qui doivent terminer l'Ancien Testament. La Bible aussi en parle. Dans les messages de Frère Branham et biblique. Ici, je fais la condensée. Je sais que les hommes de Dieu sont là. Ils vont vraiment bien détailler ça. Ils ont plus beaucoup d'inspiration aussi. Écoutez. Matthieu chapitre 11. Le verset 7. Mais si vous voulez comprendre ici, Jean avait envoyé les gens pour aller demander à Jésus si c'est lui le Messie ou nous devons attendre un autre. Bien-aimé frère, dans ce message, nous ne pouvons pas se battre entre nous. Non. Même si ton frère parle contre toi, ne parle pas contre ton frère. Amen. Le diable va se moquer de nous. Amen. On va lui donner un grand fauteuil, il va dormir. Amen. Si ton frère parle contre toi, toi parle du bien de ton frère. Amen. J'ai le frère Gilles et sa femme. Ils étaient dans mon assemblée. Ils ont vu ça. Lorsque les gens parlaient contre moi, moi je monte du haut de la chair, je parle de leur bien. Amen. Oui. Amen. C'est ça que nous ne comprenons pas les messages. Il faut dire ça pour que les diables n'entrent pas dans notre camp. Amen. Hein? Quelqu'un parle contre moi. Les Gilles ici, ils se sont fâchés. Non, on va lui parler de moi. Je dis, chut. Bas la terre. J'ai moi dit, vous savez, cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. S'il vient ici, il prêchera dans notre assemblée. Nous l'aimons. Lui-même, écoute ça, embrouillé complètement. Ah, ancien, on lui met sa gagne. Lui, prenez moi, il est non, on ne peut pas se combattre entre nous, non. Si on se combat entre nous, vous n'avez pas eu la révélation de ce message. Vous n'avez pas eu la révélation. Vous êtes en train de prêcher le message par vous-même. Si Dieu vous a envoyé, vous occuper, il va bien vous former, vous regardez comment faire. Si mon frère parle de moi, c'est mon frère. Vous êtes dans le même camp. Je ne sais pas comment de mon frère. Je ne sais pas de mon frère. Oh, gloire à Dieu. Si ton frère dit quelque chose
bénédiction de Dieu pour lui. Amen. Même si tu ne trouves pas, cherchez même ne fût-ce qu'un petit rien. Amen. Ta sœur te critique. Oh, la sœur a dit qu'on est contre toi. Cherchez même quelque chose de bien. Dis-lui, oh, ça c'est une merveilleuse sœur. Je me rappelle une fois, je voulais aller à Bruxelles. Je n'avais pas d'argent. Il m'avait donné 10 euros. Que Dieu bénisse cette sœur-là. C'est comme ça qu'on avance avec quelqu'un. Elle a dit ça, hein. Elle verra. Moi, je connais beaucoup de choses contre elle, donc je vais parler. Hey. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Nous, on ne se bat pas les uns contre les autres. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Mon frère, amen. Pas ma soeur, amen. Je me bien aimé. Je ne vais pas se battre contre eux. Oui. Alors maintenant, écoutez Jésus. Amen. Jean a dit des mauvaises choses pour Jésus. Il dit, allez demander si c'est nous devons attendre un autre. Maintenant, il est venu. Comme il s'en allait dans les disciples de Jean, que Jean avait envoyé, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Amen. Un rôle agité par les vents. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Amen. Qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète. Oui, vous dis-je. Amen. Un plus que prophète. Amen. Lorsque Jean a nié que Jésus est le Messie, Jésus n'a pas nié. Amen. Jésus a dit, Jean, c'est un plus que prophète. Amen. Lorsque Jean a dit que les choses de mal concernant Jésus, Amen. Jésus a dit la meilleure chose. Amen. Que Jean lui-même ne pouvait pas dire pour lui-même. Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète, lui, vous dit un plus que prophète. Parfait. Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face. Amen. Pour préparer le chemin devant toi. Amen. Maintenant, écoutez, verset 12. Pour voilà ce que je vais te dire là. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents hein, qui s'en emparent. Écoutez maintenant. Et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors maintenant, frère Branham est en train d'interpréter ici. Il dit, c'est qu'on avait dit que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Comme par exemple, on peut dire, ça signifie, premièrement, Jean-Baptiste doit terminer l'Ancien Testament. Ça signifie, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé pour l'avenir du Messie. Même la loi. La loi aussi prophétisait pour l'avenir du Messie. Jean-Baptiste devait terminer ça. Arrêter ça. Il ne continue plus à prophétiser. Mais Jean-Baptiste doit pointer les doigts. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a terminé l'Ancien Testament. Tout ce qu'ils ont dit, Amen. C'était pour l'avenir du Messie. Amen. Alors Jean-Baptiste était la dernière personne Amen. Qui ne devait pas prophétiser, Amen. Mais qui devait montrer le Messie. Alléluia. Merci Seigneur. Notre frère m'a dit ici, c'est la parole. Amen. Il dit, il continue. Le prophète continue. Il dit, fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ. Amen. Vous voyez? Amen. Il a même fait l'Ancien Testament, puis il a introduit Christ. Voici l'agneau de Dieu qui a été péché du monde. Amen. Il continue. Écoutez maintenant. Il dit, ton message, maintenant ça devient le frère madame, ton message va régler les points en suspens. Amen. 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 Vous voyez l'ouverture, Apocalypse chapitre 10. Amen. Apocalypse chapitre 10, hein, où Dieu, l'ange est descendu pour révéler les points en suspens. Amen. Les points en suspens, ça veut dire des choses que les gens ont fait qui n'ont pas compris. Amen. Des choses qui n'étaient pas comprises. Tout autour, tout au long de la Bible. Amen. Des choses que les gens n'ont pas compris. Amen. Ça, c'est le ministère de Frère Branham. Parce qu'on dit que Frère Branham, c'est un prophète. Alors, un prophète doit avoir un message. Amen. Mais là, la Bible est déjà terminée, non? Amen. Si Frère Branham vient, il répète Moïse, il répète seulement Abraham, il répète les autres, il n'est pas prophète? Non. Un prophète doit avoir un message. Parfait. Mais où est le message de Frère Branham? Le message de Frère Branham, hein,
est dans la Bible, mais caché. Car la Bible dit, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas étrancher. Je vous donne un exemple simple. Un exemple simple. Abimelech. Abraham vient à Guéra avec sa femme Sarah. Abimelech a vu la femme. Il demande à Abraham, qui est-ce? Écoute Abraham, c'est ma soeur. Bien-aimé frère, n'appelle pas ta femme soeur. Un frère va profiter. Amen. Et on va dire, oh frère a des démons. Les frères n'ont pas des démons. Ouais, ouais. Moi, je dois qu'appelle toujours soeur. Lorsque lui a dit, oh soeur Abraham, Abimelech a écouté, dit, oh, très belle femme là, c'est une soeur. Moi, j'ai passé pour dire, mon soeur, moi je t'aime. Comme il était le roi, on ne peut pas refuser à un roi. Et Sarah est allée dans la maison d'Abimelech. Maintenant, pendant qu'Abimelech, comme la Bible dit, il est allé pour prier, pour dire, oh Dieu, tu m'as donné une très belle femme. Est-ce qu'il a doté? Est-ce qu'il a donné l'argent? Tu as consulté la famille? Hein? Comme il y a des gens ici, il vient à l'église, il a son animal à la maison, bien caché là. Les pasteurs ne connaissent pas. Hein, il a son tabac à la maison. Il a bien bloqué là-bas. Amen. Toi, si le frère vient ici, il faut dire toujours, tu es ma soeur, tu es ma soeur. Tout le monde appelle, ah soeur, où est le grand frère? Oh, il est allé au travail. Oh, oh le grand frère là, lui-même c'est l'auteur. Un jour, on va découvrir le grand frère avec la petite soeur. Oh, quoi ça? Fini. Alors, Abimelech priait, Dieu descend. Il dit, toi, tu es un homme mort. Si tu oses toucher cette femme, je vais te tuer. Et toute ta nation. Il dit, mais non, c'est lui qui m'avait dit que c'est sa soeur. Il dit, oui. Je sais. Je sais, c'est mon prophète. Il ne faut pas me montrer ses mauvais côtés. C'est mon prophète. Amen. Quelque part aussi, il avait raison, parce que sa petite sœur aussi. Amen. Mais toi, j'aime. Mais tu trouveras les gens dans les dénominations. Et Abimelech, on devait les tuer. Hein. Et Abimelech, hein, il s'arrête là. Mais le jour où il y a un banane m'a dit ça. Vraiment. Dieu. La restitution de l'arbre épouse. Remets la femme. Remets l'épouse. Toi, Satan, tu ne peux pas manier l'épouse. Non. Que l'épouse rentre à son propriétaire au journal. Ne touche pas à l'épouse. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Joseph en prison. De ce côté ici, il y avait un échanson, de l'autre côté, un pâtissier. Alors les deux ont donné le songe. Joseph a interprété. Mais les gens n'ont jamais vu ça. Même Paul n'a jamais parlé de ça. Mais William Adam a regardé et dit, ça c'est la croix. Jésus à la croix. Il y avait deux voleurs. Amen. Un était sauvé et l'autre. Voilà. Voilà les messages des frères Bana. Ce sont les types qui sont dans la Bible. Des images qui sont dans la Bible que les gens n'ont pas interprétées. C'est ça des points en suspens. Dieu a rassemblé tous ces points-là. Derrière les dos de Moïse, derrière les dos d'Abraham, derrière les dos de Meshach, Shadrach, derrière les dos de tous ces hommes de Dieu-là, il y avait des silences. Amen. C'est pourquoi ça attendait jusqu'à ce que le septième ange hein, arrive. Amen. Les sept hommes n'étaient pas révélés. Oui, monsieur. Parce que depuis que Jean parlait dans le premier âge, les sept hommes n'étaient pas révélés. Pourquoi? Ça attendait le septième ange. Amen. Et c'est simplement ça la raison. Amen. Dieu devait révéler ça à travers le septième ange. Au sens que le septième ange n'est pas encore sur la terre, ces mystères-là sont encore cachés. Amen. Ça attend la venue du septième ange. Amen. 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 C'est ça le point en suspens. Abraham chapitre 1, 10. Écoutez. Et introduit le Messie. Mais écoutez maintenant la différence avec Jean-Baptiste. Introduit le Messie juste avant sa venue. Amen. Vous avez saisi quelque chose? Amen. Non, vous n'avez pas saisi. C'est là où on a dévié dans les messages de Frère Branham. Amen. Nous, on a comparé Frère Branham avec Jean-Baptiste 100%. Mais ils ont mal comparé. Parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il a introduit Christ, c'était la première venue de Jésus. Amen. Mais ici, lorsque le frère Abraham est introduit, ce n'est pas la seconde venue. Non. Il est introduit juste avant sa venue. Amen. 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 Donc, on a introduit le Messie, mais juste avant sa venue. Amen. Mais lorsque Jean-Baptiste a introduit le Messie, c'était sa venue. Amen. Oui.
Amen. Vous voyez la petite nuance là? Amen. C'est à partir de là, on a eu des doctrines. Nous ne sommes pas allés au commencement. Si on était retourné, on devait savoir que ah, dans cet âge, le Messie sera sur la terre juste avant sa venue. Amen. Aujourd'hui, le Messie, c'est la personne ouette. La parole ouette. Alléluia. Comme Jean-Baptiste avait pointé l'agneau, Frère Madame aussi a pointé l'agneau. Amen. Mais beaucoup déjà, permettez-moi, si vous êtes là, je ne combats pas les frères. Mais beaucoup déjà présentent l'agneau. Frère Madame n'a jamais présenté l'agneau. Non. Non. Je vais lire Frère Madame. Amen. Nous prenons la fête des trompettes. On va lire un peu les prophètes. Bon, j'ai mis les citations pêle-mêle. Il faudrait que je cherche ça. La fête des trompettes. Bon, j'ai des quotations, je ne lis pas parce qu'on doit libérer les gens. Écoutez ceci. Jean-Baptiste était le messager de l'Alliance. Ok? Amen. Les prophètes en parlent. Pourquoi? Parce qu'il devait être le pont entre deux dispensations. Amen. La loi et la grâce. Amen. Vous suivez? Amen. Il devait marcher avec la loi pour introduire la grâce qui était le Seigneur, hein? Jésus-Christ. Amen. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est le messager de l'Alliance. Frère Branham aussi est le messager de l'Alliance. Amen. Il vient entre deux dispensations. Amen. Entre la grâce et le jugement. Amen. C'est pourquoi le 24 janvier 1965, Frère Branham était venu proclamer le jugement sur la terre. Dans la prédication, les douleurs de l'enfantement. Et une chose que je veux dire. La différence dans le ministère de Frère Branham et le ministère de Jésus-Christ, c'est le même ministère. Mais la différence, hein, avec Frère Branham, les choses se faisaient en différé. Mais avec Jésus-Christ, c'était en direct. Amen. Là, il faut retenir ça. Amen. Je vous donne un exemple. Mm-hmm. Jésus vient dans Luc 4. Il entre dans les temples, on donne le livre du prophète, hein, Jérémie. Et l'ayant appris, Jésus l'ayant déroulé, il a lu, il dit, aujourd'hui cette écriture, hein, c'est accompli. Le même jour. Frère Branham aussi, il a fait la même expérience, mais il ne savait pas. Pendant que l'évêque Chin, qui est habillé en rouge, vous connaissez l'histoire, je passe vite. Il est venu, pendant que Frère Branham cherchait, sa femme lui a donné une Bible pour prêcher. Or, dans la Bible, là, les faits des pages étaient bloqués. Il n'a pas trouvé l'endroit. Maintenant, le prêtre catholique, là, qui est habillé en rouge, un caldéen, maître Chin, il vient, il dit, mon fils, c'est ça l'écriture, lis ça. Frère Branham prend la Bible, Frère Branham a lu. Et après, Frère Branham a pris la Bible, il l'a fermé, il l'a remis chez les prêtres. Mais là, quand il a continué à prier, il n'a pas dit qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous voyez maintenant? Mais lorsque l'église est terminée, Frère Branham était dans sa voiture, fatigué, Billy Paul le conduisait, il entend maintenant la voix. Ce qui vient de se passer aujourd'hui là, à l'église, as-tu compris cela? Il dit non, Seigneur. Est-ce que tu ne vois pas dit que Jésus est entré dans les temples? On lui avait remis les livres et Jésus avait dit aujourd'hui, ah, en différé. Il est venu le 25 janvier pour dire ça, mais il n'avait même pas bien compris ça encore. Il a répété la même prédication le 19 février. Là maintenant, il est entré en détail. Amen. Toujours en différé. Mais Jésus, c'était en direct, tout en direct. Amen. Parce que les prophètes disent, ainsi dit le Seigneur, mais Jésus, en vérité, amen, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Alors, allons vite. Écoutez. Écoutez, paragraphe 91, hein, la fête des trompettes, paragraphe 71. Frère Marie, ceci. Entrez, j'ai donné la date, non? Le 19 juillet 1964 matin, c'est important d'écrire la date aussi. Entrez dans la chambre du prophète. Observez bien les sept marches. Sept marches de pyramide, ok? Où les gardes relevaient-ils le défi de faire entrer dans la présence du roi celui qui arrivait? En haut des marches, c'était sur la septième marche. Écoutez maintenant.
ce qui montre que nous devons venir encore avec le même esprit qui était sur Jean-Baptiste. Amen. Vous suivez? Amen. Nous devons venir avec le même esprit qui était sur Jean-Baptiste. Amen. Il a présenté le Messie. Amen. Donc on doit présenter aussi le Messie aujourd'hui. Amen. Il était le plus grand de tous les prophètes, il l'a présenté. Amen. Donc il y a deux plus qu'un prophète. Amen. Un qui a introduit là-bas et l'autre qui va introduire ici. Amen. Maintenant, il continue. Il lui dit, écoutez, et nous devons arriver là, de nouveau, à quelque chose qui va présenter le Messie. Amen. Nous. Les gens qui croient en lui le sauront-ils s'ils ne sont pas constamment dans la parole? Amen. Pour reconnaître que le Messie, là, vous devez rester constamment dans la parole. Amen. Pour savoir ce qu'il est. Daniel a dit, les sages sauront. Amen. Mais les insensés, ceux qui sont dépourvus de sagesse, ne sauront pas. Ils connaîtront leur Dieu. Amen. Là, les sages, l'épouse connaîtra son Dieu. Il continue. Écoutez, frère Branham. Il a donc dit qu'il paraîtrait dans les derniers jours. C'est pour ramener les gens à la parole. Amen. Pour que l'épouse connaisse son mari. Amen. Connaisse son compagnon. Amen. La parole est révélée. Amen. La parole est révélée. Amen. Voilà notre agneau. Amen. Voilà notre mari. Amen. La parole est révélée. Amen. Voilà pourquoi ceci doit arriver. On n'a pas connu cela avec les réformateurs. On n'a pas connu cela avec Luther, Wesley et les pentecôtistes et les autres. C'est ce que dit l'Écriture. Mais cela viendra. C'est sa promesse pour cet âge-ci. Amen. Écoutez maintenant, les frères et madame. Je saute paragraphe 222. Le septième ange, même prédication. Le septième ange, messager dira. Êtes-vous vous suivez? Amen. Le septième ange, messager fera quoi? Dira. Dira quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole. Voyez l'agneau de Dieu, c'est la parole. On a frère maman dit l'agneau de Dieu c'est d'annuler les yeux. Dans quelle prédication? Dans quelle prédication? Ça c'est dans vos propres pensées. Dans quelle prédication? On attend toujours des prédications, on n'en trouve pas. C'est mal des explications. Donc voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a présenté un homme entier. Vous nous présentez, c'est mal la tête. Yes. Il dit la parole. Le fils de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Car il n'y aura aucun autre fondement. Amen. Oh non, pasteur, on est dans l'écriture, mon rôle, bonjour, soit bon. La parole parlait à la semence originelle. Prêché le dimanche 18 mars 1962, soir. Parce que c'était matin soir. Maintenant, c'est soir. Paragraphe 141. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert, c'est écrié, voici l'agneau de Dieu, le second. Ok? Amen. Vous suivez? Amen. Le premier s'appelle qui? Jean-Baptiste. Le second? Merci. Le second précurseur fera probablement la même chose. Ça c'est vrai. Amen. En dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. Amen. Il va nous emmener vers une épouse née de quoi? De la parole. Il continue. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. C'est écrit, voici le nom de Dieu sortira de ses lèvres. Que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Il faut bien que je m'arrête. Alors, il continue. Attends. Bon, je vais maintenant vous montrer. Depuis que Frère m'a dit ça, il n'a rien changé. Mais je peux lire quelque chose ici. Attendez, je vais lire deux ou trois, quatre stations. Alors je vais faire la conclusion. Ici, je suis maintenant ici dans la prédication. Les journaux avaient publié cela. Il parle de 1633. Les journaux avaient publié cela. Une lumière mystique
apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local, un jeune homme, pendant qu'il baptisait 500 personnes à la rivière Oyo. Et il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ce message que nous prêchons. Amen. C'est quoi, il ne peut pas, ce message, c'est impossible. Ce message, amen, sera le précurseur de la seconde venue. Amen. Ce message que nous prêchons, ça nous prépare à la seconde venue. Amen. Comment il y a un mot comme sur la seconde venue? La seconde venue ne peut pas la seconde venue. Oh. Il y a une petite déviation qu'on n'avait pas compris. Amen. Lorsque le Frère a introduit le Messie, c'était juste avant sa venue. Amen. C'est pourquoi il dit, le septième ange sera sur la terre au moment de cette venue-là, c'est juste. Oui, c'est juste. Parce qu'après le chapitre 10, l'ange va descendre, il va donner les livres au septième ange, il est sur la terre. Mais toi n'ajoutes pas trois là-bas ou deux ou cinq là-bas, non. Il a dit au moment de cette venue. Toi aussi répète comme ça. Oui. Il n'a pas dit au moment de cette deuxième, non. Au moment de cette venue. On s'arrête là. Écoutez, mesdames, frères, madame. Ce message sera le précurseur de la seconde venue. Nous voici. Cela s'est accompli. Voyez, des là sont ici comme des intercèles. Oral Robert, Tommy X, les Osborne et les autres. Ils sont tous allés tout autour du monde. Voyez, cela s'est fait. C'est à partir seulement de ce message de Frère Branham qui a, cela c'est ce qui a amené les réveils dans le monde entier. Parce que Dieu ne peut pas envoyer des réveils dans un âge. Amen. Dans cet âge, il y a seulement les réveils des Frères Branham. C'est ce que Rano Béra a eu. C'est ce que Tobias Wan a eu. Ils sont en train de faire des miracles. Nous qui sommes dans le message, vous dites qu'on ne peut plus faire ça, nous sommes des pentecôtistes. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? Tu vois un enfant qui a 12 ans, il transporte quelque chose, toi tu dis, moi je ne peux pas transporter ça. Alors tu es malade. Comment un enfant de 12 ans peut transporter quelque chose, alors moi je ne peux pas. Alors tu es malade, tu ne manges pas bien. C'est vrai. Comment un pentecôtiste peut faire une campagne? Moi j'ai peur de faire une campagne. Ah, c'est pour les pentecôtistes, frère. Comment vous gagnez les âmes à Christ? Vraiment. Transfert. Alors je lis encore une autre prédication. Écoutez. Je lis encore. Pourquoi les Saint-Esprit a-t-il donné? Prêcher le 17 décembre 1959. Écoutez, frère Branham, il rentre toujours là-bas. Donc, j'ai au moins 400 citations, il parle toujours de. Donc, il n'a jamais oublié ça. Mais moi, je n'ai pas pour vous montrer. J'étais là-bas en 1959, 1960. On va lire 1964, 65. Toujours la même chose. Pour montrer qu'il a continué ça. Amen. Alors, pardonnez-moi d'abord. Bon, paragraphe 142. Écoutez, j'entendis les clapotis de l'eau là-bas à la rivière Oyo. Quand j'étais un tout jeune prédicateur d'environ 22 ans, mes frères, tu avais 24 ans. Il dit environ 22 ans, mais il avait 24 ans, ok? Amen. Que je chantais ça là-bas. J'ai entendu, j'ai regardé au-dessus de moi. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 1959, paragraphe 142. Amen. J'entendis la clapotisse de l'eau là-bas à la rivière Oyo. Quand j'étais tout jeune prédicateur d'environ 22 ans, que je chantais ça là-bas. J'ai entendu, j'ai regardé au-dessus de moi. J'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Pour la première fois, il a eu peur. Lève les yeux. La deuxième fois, il a eu peur. Lève les yeux. La troisième fois, il a regardé. Il a vu la colonne de vie. Amen. Ça, maintenant, c'est frère Pazou. Pour la première fois, il ne pouvait pas regarder. Parce qu'il y a trois exodes, non. Premier exode, c'était avec Moïse la colonne de vie. Il ne pouvait pas regarder. Ce n'est pas d'autres exodes. Deuxième exode, Jésus et Paul. Amen. La colonne de vie. Il ne pouvait pas regarder. Troisième exode, c'est notre exode. Voilà pourquoi il a regardé. Amen. 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 Parce que maintenant ça lui concerne, non? Comme le prophète dit, l'épouse qui passait, il ne me regardait pas. Parce que c'était l'épouse du temps de Paul. Il continue de dire, voici cette grande lumière suspendue en plein là. Elle est descendue sur moi et a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, qu'il y aura un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Oh, comment pouvais-je le croire?
Mais c'est arrivé quand même. Amen. Ce soir, amen, les feux du réveil brûlent tout autour du monde. Amen. La glorieuse église des dieux rachetés s'est élevée pour sortir de là avec des grandes campagnes de guérison, amen, des signes, amen, des prodiges, amen, des miracles, amen, qui montrent la venue. Amen. Ce message, c'est l'unique réveil. Attends, je vais vous lire une chose. Je vais vous lire une chose, frère. Dans la prédication, l'ange de l'Alliance, amen, l'ange de l'Alliance prêchait le 1er mars 1954, page paragraphe 50-59. Écoutez, frère Branham. Écoutez, frère Branham. Frère Branham est dit dans le Messie, prêché le 17 janvier 1961. Partout on prêchera ce message. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, il sera pour confirmer par des signes, par des miracles. Frère, si vous répétez cette demande que frère Branham a prêché, vouloir ou pas, la colonne de feu va descendre. La colonne de feu ne vous suit pas. La colonne de feu suit la parole. Avant les saints, tu auras des larmes. Amen. Ça va chauffer à l'intérieur. Amen. Que tu veilles ou pas, amen, ça va vous chauffer. Amen. Et vous verrez les larmes qui coulent. Amen. Si vous répétez ce message, hein, Dieu n'a pas besoin de vous demander la permission pour venir. Mais ce Dieu viendra lui-même. Amen. Il suit sa parole. Amen. Lorsque Marie a reçu la parole de la promesse, la colonne de feu suivit Marie, accouchant Marie, frère. Si vous recevez ce message dans votre cœur, sachez-le bien, la colonne de feu est avec vous. Ça vous couvre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez. Écoutez, frère Branham. Yes, sir. Il dit, écoutez, paragraphe 50, il lui dit ceci. Oh, c'était la colonne de feu. J'ai dit prêché le 1er mars 1954, paragraphe 50. Oh, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur la terre, suivant la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, ce soir. Maintenant, ce soir. Pas le soir de là-bas, maintenant. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je l'ai dit avec respect. Alléluia. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais ce soir même. Amen. Tu veux dire ce que Frère Branham dit? Amen. Frère Branham, si je mourais ce soir. Amen. Frère Branham. Oh, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Amen. Je suis juste un homme. Amen. Cette colonne de feu est dans l'église. Amen. Frère, vois ça ou pas, ça est là. Ça, c'est la vérité. Je viens parler devant Dieu. Moi, vous savez une chose qui est vraie. J'aime ça. Beaucoup de gens parlent le mal des photos de colonne de feu. Moi, je cache ça. Pour ne pas que les gens blasphèment. Vous savez, une fois, je prêchais. Un frère, il est dans les Kassai. Oh, il a amené la photo. Il a écouté la voix. Pas de photo. Il s'élève. Il prend seulement le téléphone. Il a filmé sans regarder. Il est rentré. Après, la personne aimée que je lui dis, mais tu avais pris la photo, regarde, il regarde. Bien aimé, mon épouse était là. Je parle, moi je vais souvent avec mon épouse. Mon épouse était là. La colonne de feu est en train de suivre. C'est que moi j'étais. La colonne de feu est ici. Claire, ça marche. Amen. Ça marche. Gloire à Dieu. Alors, j'ai donné ça à un administrateur, il a perdu ça. Mais heureusement, j'avais déjà pris des photos. J'ai ça, mais je cache ça. Dernièrement, pendant que j'étais à l'église, l'onction était descendue, forte onction. Alors j'ai senti que je voulais tomber, j'ai dit, bon, ah,
J'ai tombé il y a 6 et 20 ans, tombé encore comme ça. Je suis d'ailleurs devenu vieux. Alors je me suis forcé, je me suis agenouillé. Amen. Devant la chair, je me suis agenouillé là, je priais. Eh bien, mes frères, à écouter la voix, Béni Moutombo. Lève-toi, va prendre la photo. Et prends la photo, voilà, la lumière est là. Mais j'ai dit ça seulement à l'église, mais ce n'est pas, regardez seulement, voilà ça. J'ai dit à frère, allez d'abord là-bas, prenez tout ce que tu avais filmé ce jour-là, hein, allez ça avec ça dans le laboratoire pour voir si c'est. Il a quand même examiné. La chose est là. Dieu fait ça. Amen. Mais les gens posent la question. Si Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Dieu ne parlera plus, il a déjà parlé, non? Amen. Vous pensez que lorsque fait le bon de faire venir sur le Paul, qu'est-ce qu'on ne fait dit? Rien. Mais c'était sur le Paul. Donc on ne fait rien dit. Vous montez seulement que ma présence est là. Amen. C'est simplement ça. Amen. Il va me dire quoi? Est-ce que moi j'ai un message à donner aux gens? Non. Pour que la grande fée vienne me parler. Non. Mais il faut croire que la grande fée est là. Amen. Il continue. Il lui dit. Je suis juste un homme. C'est ce qu'on te fait dans l'église. Non seulement avec moi. Elle est avec chacun de vous. Amen. C'est pour nous tous. Amen. Vous avez écouté? Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. C'est pour nous tous. Amen. Attends. Je vais maintenant montrer ça très bien maintenant. Parfois, vous n'avez pas bien compris. Parce qu'il y a des gens qui disent, frère maman dit. Personne ne pouvait s'approcher de la colonne de fée. La colonne de fée était seulement pour Moïse. Là, c'est pour prendre le message. Venir prêcher, c'est Moïse, c'est. Amen. La colonne de fée, c'est pour nous tous. Amen. Maintenant, la colonne de fée était descendue sur la montagne de Sinaï. Les gens l'ont fui, mais ils ont vu la colonne de fée. Amen. Les gens comprennent mal. On ne s'approche pas pour l'interprétation. Là, c'est pour Moïse, hein, seul. Amen. Écoutez, frère Bana. Il dit ceci. Il dit. Paragraphe 59. Il dit, cela a été vu à la rivière là-bas. Alors que j'étais juste un garçon. Donc la colonne de fée était vie. Je vais descendre dans deux, trois citations, je m'arrête. Il dit, j'ai baptisé mon premier groupe dans l'église baptiste. 500. Un après-midi. Au bas de la rive Spring à Jovensoville. Les journaux ont publié un article là-dessus. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il baptisait la rivière. Cela a été à plusieurs endroits. Vous voyez cela dans l'autre livre. Là où on a photographié cela une nuit. Cela a été descendu au-dessus de la tête. Or, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. La même colonne de fée qui suivait les enfants d'Israël, hein, suit l'église du Saint-Esprit ce soir. Amen. La même colonne de fée qui conduisait les enfants d'Israël, hein, suit l'église du Saint-Esprit ce soir. Amen. Alors, écoutez. Moïse, hein, était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Amen. Il n'était pas les enfants d'Israël. Amen. Moïse n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'eux, voyez-vous. La colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Non, non. Vous suivez? Amen. Mais, s'il a dit, j'enverrai mon aide devant toi pour te protéger en chemin, ce n'était pas pour Moïse seul, c'était pour tout Israël. Amen. La colonne de feu aussi, ce n'est pas pour frère Branham seul. Non. C'est pour toutes les pousses. Amen. Mais écoutez, frère Branham. Il nous faut tous travailler ensemble comme un bloc, hein, uni. C'est là où nous échouons. Amen. Quand nous ne travaillons pas ensemble, nous sommes des égoïstes. En train de bouffer, hein, des brebis contre les brebis, non. Amen. Moi, aujourd'hui, dans notre église, il y a quatre frères qui sont sortis. On nous sommes bien avec eux. Amen. Chacun est libre. Amen. Mais fais seulement quelque chose en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas bloquer les gens, non. Surtout les ministres, je les repêche, vous êtes libres. Mais fais ce que la parole de Dieu dit. Si tu ne fais pas la parole de Dieu dit, tu paieras. Amen. Il faut faire ce que la parole de Dieu dit pour que Dieu te protège. Amen. Gloire à Dieu. Même dernièrement, au mois de novembre, octobre-novembre, j'ai appelé l'homme là qui était sorti de venir prêcher. Il est venu, il commence à se demander pardon. Moi j'ai passé vraiment être pasteur, c'était comme ça. Et maintenant je commence à comprendre que les pasteurs pensent souffrir vraiment. Hein? Parce que pour lui c'était quoi? Même quelqu'un qui arrive aujourd'hui à l'église, il voit seulement quelqu'un, il vient là avec des rouges à l'évoque. Oh non, 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 non. Comment? Bon, elle, la
peuvent agir dans le monde. Elles vont changer comment? Amen. Oh. Toi tu comprends pas, toi tu étais un enfant dans la maison où les gens croient le message. C'est pourquoi tu as dit, mais les autres jeunes ont prêché, il est là dans la boîte de nuit. Il croit en Jésus. Amen. Oh, elle l'a dressé avec des maquillages. Laissez-la tranquille. Amen. Et moi, si quelqu'un vient comme ça, je ne touche même pas le maquillage encore. Oh. Même si c'était là, je devais parler, je ne touche pas. Amen. Qu'elle se sente un peu à l'aise. Amen. 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 Laissez-la. Vous voulez protéger Dieu? Dieu est tout puissant. Amen. Si c'est sa fille, elle travaillera pour elle. Elle va changer. Amen. Il ne faut pas forcer des choses. Amen. Si vous forcez des choses, vous aurez beaucoup de convertis, mais qui ne sont pas convertis. Amen. Ne forcez rien. Laissez les gens entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Lui sait comment travailler avec les gens. Amen. C'est m'a dit à quelqu'un, ne soyez pas hypocrite. Amen. Moi, j'ai toujours dit à l'église, si tu as une faiblesse, montre ça clairement à nous tous. Amen. Montre la faiblesse à nous tous. Amen. Comme il y avait un frère, il passait. Bon, l'église est terminée, moi, je n'ai pas envie, je vais aller voir les matchs. Je dis, allez voir les matchs. Mais moi, je ne partirai pas. Mais il ne faut pas dire, ah, démon, non. C'est son niveau. Amen. Un jour, il va partir comme ça, ça ne marchera pas. Ce qui est important, sois sincère. Amen. Aime Dieu. Amen. Parlez à Dieu clairement. Femme, soyez naturelle. Je vais m'a dit ça. C'est la parole. Amen. Mais si la nature vous a bouffé quelque chose, Amen, mettez ça. Amen. Quelqu'un qui n'a pas des dents. Actually, non, hein? Amen. Mais s'il met en os, où est ton problème? Amen. Mais si tu prends les marteaux, Amen, tu commences à te faire. Tu auras des maux de tête toi-même. Amen. Avant, je n'avais pas l'argent. Comme j'ai l'argent maintenant, je vais mettre en or. Tiens, lève. Pasteur, la taille est pas bien. Hein? Après, tu mets de l'or, non? Oh. Comme les belles amies de Dominique est là. Si j'enlève mon soulier, je te donne. Tu vas porter ça? Pourquoi? Ça me convient pas, c'est pas oui, parce qu'il y a un soulier, non? Ouais, on peut pas te donner des souliers. Ouais. Bon, vous avez des cheveux, pourquoi vous ajoutez des cheveux? Vraiment! C'est lui qui, celle qui ajoute, hein, c'est lui, celle qui n'en a pas. Amen. Mais toi qui as des cheveux, tu ajoutes encore des cheveux, non, c'est pas bon. Amen. Celle qui va ajouter les cheveux, hein, celle qui n'en a pas. Amen. Moi chez nous là-bas, j'ai dit, viens chez le pasteur, je veux voir. Voilà. Il y a des sœurs, si il fait comme ça, c'est comme moi. Allez couvrir vite, allez couvrir vite. Amen. Bah, la femme doit être belle quand même. Hein? Amen. Elle ne peut pas venir à l'église comme un homme. Non. Alléluia. Si elle n'a pas de cheveux, qu'elle ajoute. Amen. Mais toi aussi, tu ajoutes, tu dépasses même les blanches. Amen. Jusqu'ici. Oh. Non, c'est pas correct toi aussi. Amen. Hein? Tu dépasses même les blanches. Amen. Là, c'est pas correct. Non, la parole c'est l'équilibre. Amen. Écoutez, mon frère Branham, il nous faut tous travailler ensemble comme un bloc uni. Amen. Il nous faut ôter nos divergences. Amen. L'unique manière d'ôter les divergences, c'est que toutes les églises nous prêchons sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si toutes les églises nous prêchons sur le Saint-Esprit, Amen, il n'y aura plus de divergences. Amen. C'est vrai. C'est ça la vraie doctrine. Amen. Mettre de côté nos doctrines. Amen. Oh, il est venu, il n'est pas venu. Les avancer, les retarder, à côté. Amen. Les révéler, les non révéler. Amen. Les avancer sont déjà dans. Amen. Prendre la promesse que le Dieu Tout-Puissant nous a faite. Amen. Puisse-t-il vous bénir. Voilà ma prière. Amen. Ah, je descends maintenant. Je commence à descendre. J'ai dit ceci, Jean-Baptiste, hein, il est plus qu'un prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le messager de l'Alliance. Amen. Jean-Baptiste est la clé de voûte qui relie des choses. Jean-Baptiste, il est le pont, il est l'arche qui relie des choses. Alors, maintenant, je monte à l'avant-dernière cotation. Je vais vous lire avant-dernière citation. Avant-dernière citation. Le pasteur m'avait dit, prêche comme tu veux, mais moi j'aime toujours respecter les. Avant de récitation, je suis sur les ailes d'une colombe blanche, comme la neige, prêché le 28 novembre 1965 soir, paragraphe 108, sur les ailes d'une colombe blanche, comme hein, la neige.
paragraphe 108, prêché dimanche le 28 novembre 1965. Écoutez, Jean leva la tête. Je rentre maintenant dans Matthieu 3. Là, on a Jean baptisé dans 17. Jean leva la tête. Oh, qu'est-il, le prophète? Vous suivez? Amen. Et voici la parole. Voici que vient la parole. S'avance tout droit vers les prophètes. Et vous suivez? Amen. La parole là, c'est Jésus. Amen. Qui vient tout droit chez les prophètes. Amen. Comme aussi Frère Branham était dans la rivière, la parole est venue à Frère Branham. La colonne des faits. Amen. Écoutez maintenant, Frère Branham. Tout droit vers les prophètes. Directement dans l'eau. Vous suivez? Amen. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voici, c'est lui. Jésus n'a pas dit un seul mot. Il s'avança tout droit dans l'eau. Je peux voir debout dans cette eau. Imaginez la scène. Suivez très bien. Amen. Des plus grands êtres à avoir jamais visité la terre. Dieu, la parole et son prophète. Amen. Là aussi, dans l'eau, il y avait des êtres. Amen. La colonne de feu et puis la madame. Écoutez maintenant, par exemple, ça est neuf, il dit ça. Remarquez, la parole est venu au prophète dans l'eau, dans cette dispensation de la grâce. Je pensais que vous le saisirez dans l'eau. La première révélation de la parole, il y est dans l'eau. Amen. Maintenant, voyez-vous où le pousse, nous maintenant, où le pousse, le message de la lumière du temps du soir a commencé dans l'eau. Amen. Hein? Amen. Dans l'eau. Yes, sir. Yes, sir. La parole. Amen. La vraie parole. Qui n'est pas mélangée avec des credos. Mais qui est venu au prophète dans l'eau. Amen. Par l'eau. Amen. Jean-Baptiste, la parole est venue à Jean-Baptiste dans l'eau. La parole est venue à Frère Branham dans l'eau. Amen. C'est là où notre message a commencé. Amen. Dans l'eau, frère. Amen. Alors pour terminer, je lis la dernière que comme j'avais dit. La dernière citation, c'est la semence de rythme avec la balle. Moi, je ne prie pas pour les malades. Si tu crois que le message avait commencé dans l'eau, hein, toi aussi commence avec Dieu aujourd'hui dans l'eau. L'eau de la parole. Tout ce que tu as comme problème, Dieu la donnera solution. Commence aussi à traiter avec ce Dieu-là. Qu'il soit ton Dieu à toi. Que tu peux lui dire des choses. Amen. Faut pas seulement attendre le passé. Toi-même. Traite avec lui. La colonne de feu n'était pas pour Branham seul. La colonne de feu n'était pas pour Moïse seul. La colonne de feu, c'est pas pour le frère Franck seul. La colonne de feu, c'est pour nous tous. Que chacun sorte ici avec la colonne de feu. La guérison divine est en vous. Amen. Tout ce que vous avez besoin est en vous. Amen. Réveillez seulement cela. Amen. Dans la colonne de feu. Alléluia. Écoutez maintenant la semence de rythme avec la balle et je termine par là. Quand je regarde, il faut que je termine à 21h30. Le 18 février 65. Amen. Le 18 février 65. Écoutez. Écoutez maintenant, Frère Branham. Écoutez, Frère Branham. Juste 6 mois après cela, lorsqu'il a quitté l'église baptiste, paragraphe 25, jusqu'à paragraphe 27, 25 à 27, et c'est là où on va terminer. Écoutez maintenant les prophètes. Il dit ceci. Juste 6 mois après cela, lorsque la lumière est descendue juste là, à la rive Spring, beaucoup d'entre vous aimeraient peut-être y aller jeter un coup d'œil. Frère Branham, nous sommes en train de venir là-bas pour aller jeter un coup d'œil. Amen. Comme la rivière est là, nous devons voir ça. Amen. À la rive Spring et Warren, juste en face du fleuve, c'est là que l'ange du Seigneur est apparu pour la première fois en public. Amen. Avant, il apparaît avec les prophètes. Frère Branham est né
il est là. À date de 7 ans, il est là. Mais pour nous, en public, c'était le 11 juin 1933. Amen. Et pour confirmer sa photo, 17 ans après, le 24 janvier, pour 14, dit ce sont les deux âges de l'église, âge israélien et les âges de l'épouse. 14, les deux âges. Gloire à Dieu. On passe. Et une voix sortie de là a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message annoncera la seconde venue. Amen. Écoutez maintenant, nous voici 30 ans après. Mais voici ce soir, proclamant toujours ce message. Le message qui avait commencé dans l'ONA jusqu'à 1965. Le Madame proclamait toujours ce message-là. Amen. Il n'avait pas changé. Amen. Il ne va pas à 63, toi tu changes. Lui n'a pas changé jusqu'à 65. Amen. Le même effet qui avait commencé dans l'eau. Jusqu'ici, il continue ça. Amen. Écoutez. Il a fait le tour du monde. Les messieurs qui avaient commencé dans l'eau là. Amen. A fait le tour du monde. Fais madame continuer. Je suis si heureux de revenir dans la ville où j'ai grandi pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voulez représenter le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors soyez fiers. Représentez le Seigneur Jésus-Christ. Il est la colonne de feu. Amen. Représentez-le. Il dit que j'aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour toujours plus doux que le jour précédent. Et bien maintenant, frère madame, je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Depuis 1933 jusqu'à 1967. Il dit, parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Amen. Et vous devez lever vous. Eh bien, j'ai un message dont je suis responsable. Amen. La première fois que le message est sorti, écoutez bien, la première fois que le message est sorti, c'était bien sûr, tout le monde priait pour les malades. Tout le monde priait pour qui? Les malades. Il y eut des grands signes. Il y eut des grands prodiges. Amen. Des grands miracles. Amen. Cela a commencé particulièrement parmi les patriotistes. Amen. Un réveil universel. Amen. Des campagnes de guérison. Amen. Qui a balayé le monde. Amen. Pendant 15 bonnes années, il y eut des réveils sur chaque colline qui existe. Je pense, le fait du réveil pris littéralement des millions à accepter Christ comme leur sauveur par une seule commission. C'est cela qui a inspiré le soir. Ne vis la dénomination de personnes. J'ai un message. Amen. Dans ce message, comme vous venez de l'écouter, je suis à la fin. Votre désir, moi je ne prie pas, va faire une expérience avec Dieu. Amen. Dis Seigneur, comme tu avais commencé avec Jean-Baptiste, tu as commencé avec William Branham, commence aussi avec moi. Amen. Dieu commencera avec toi. Amen. Il commencera à traiter tes problèmes. Amen. Et tu donneras un témoignage juif. Alléluia. À toi pasteur. Que notre message a commencé. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu dans son peuple. Amen. Il a commencé le message de Jésus maintenant. La parole ouinte aujourd'hui. Le message de l'heure. La colonne de feu. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Thank you.
problèmes. Parce que tu es ici, afin que son serviteur puisse prononcer une parole. Je te prie de venir traiter avec moi, personnellement. 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 Il nous a lu une citation. Il a dit que tous les chrétiens, mes amis, aussi frais que je me tiens devant vous, il vient de me parler pour me dire qu'il est ici. Il m'a soufflé. Il vient de me parler maintenant. Quel est le problème que tu as? Quel est le problème que tu as? Occupé maintenant. Il est en train de s'en occuper maintenant. Alléluia. Dis-lui quelque chose. Olivant qui t'a Come on, come on, come on, come on.
frère et une soeur déposer sa main sur vous, les uns sur les autres. Le don de guérison qui est en vous entrera en action. La délivrance vient. Oui, pasteur, prends le micro, prononce. Quelque chose pour l'île de la vallée. Ses enfants, ses fils et ses filles, son pasteur, même les bien-aimés qui sont avec nous ici. Dis seulement une parole et cela sera accompli. Par l'autorité de la parole de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, pendant que je priais là-bas à la maison, chez ton serviteur, avant de venir ici, tu m'as donné une écriture. Seigneur, j'avais envie d'en parler, j'ai complètement oublié. Comme je viens de prononcer maintenant la parole, je vais citer cette écriture. Quelque chose se passa au Banab d'Abiandak. En 1961, pendant que le prophète enseignait sur la révélation de Jésus-Christ, la colonne de feu est descendue pour la première fois. La colonne de feu est allée se placer dans un coin. La colonne de feu reste là pendant 15 minutes. Toute l'église au grand tabernacle, les gens voyaient, les gens criaient, les gens s'évanouissaient, les gens parlaient. De leur requête, il disait cela, Seigneur, nous avons le même Dieu qu'avec William Branham. C'est la même colonne de feu dépassée dans cette salle. Et ça puisse rester avec nous. Pendant que chaque enfant de Dieu est en train de prononcer la parole, est en train de donner sa requête. Et la colonne de feu prend toute la requête et donner la solution à ses requêtes. Oh Dieu, nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu réel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, le Dieu de William Branham, la même colonne de feu dans l'Ancien Testament avec Moïse. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, avec Paul, Paul a écrit le Nouveau Testament. Dans les derniers jours, avec William Branham, il a interprété et lancé et le Nouveau Testament. Je avais dit dans ta parole, vous voulez m'en dire en priant. Vous voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et tant que serviteur de Dieu, qui a rencontré aussi ce Dieu de la colonne de feu, je prononce la parole, j'ajoute ma foi, Seigneur, à la leur, et tout ce qu'ils ont demandé, qui répond cela, au nom de Jésus-Christ. Et dimanche, il y aura déjà des témoignages. Parce que le Dieu est véritable. Alléluia. Tu es le grand Dieu. Amen. Tu ne changes pas, Père. Amen. Descends maintenant. Descends maintenant. Amen. Agis maintenant. Amen. Agis maintenant, Père. Amen. Parle-nous, Seigneur. Manifeste ta présence, mon Jésus. Où es-tu, le Dieu de l'Élie, le véritable Dieu, le Dieu de la parole de feu, le Dieu qui répond par le feu. Merci, Père, tu as la gloire de Shekinah. Comme j'ai prononcé la parole, le dimanche, il y aura des témoignages. Et nous allons, Seigneur, te glorifier, te remercier. Maintenant, Seigneur, accompagne ton peuple. Seigneur, manifeste-toi. Qu'aujourd'hui, que ce soit un grand jour où le soleil s'est levé dans nos cœurs. Manifestation de la parole. L'époux, la parole révélée. Donnant la solution à chacun de nous. Peu importe la maladie. Peu importe les cas. Recevez la solution. Au nom de Jésus-Christ, que la vertu de la parole quitte et vous touchez tous. Amen. Recevez cela. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la colonne de feu sillonne dans la salle. Amen. Seigneur, prends l'espace. Circuit, Seigneur. Passe, Seigneur, sur chacun de nous. Seigneur, touche chaque personne ici, Père. Touche chaque personne, Seigneur. Touche chaque personne, Seigneur Jésus. Touche chaque personne, Seigneur Jésus-Christ. Touche chaque personne, Seigneur Jésus-Christ. Touche chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Père. Descends, Seigneur, descends, agis, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous, bénis les frères, bénis la soeur, bénis nos enfants. Oh Dieu, manifeste-toi, marche au milieu de nous, Seigneur, marche au milieu de nous,
Seigneur. Plane sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Plane sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Plane sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Plane dans cette assemblée. Marche partout, Seigneur. Oh Dieu, touche tous les cœurs pour ta pauvre gloire. Je prie ainsi dans le bon nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que je demande toutes ces bénédictions. Réservez-les au nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur. C'est faire dans le chemin. Que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus-Christ.